Ok. Yo tout le monde. 1, 2, 3. Yo tout le monde, yo les gens, salut à tous, y'a salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur mon Twitch. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un nouveau live suite de mon GTA RP. Mais avant toute chose, j'aimerais vous parler d'un truc. Ça s'est passé aujourd'hui. Je ne savais pas comment réagir à la nouvelle et je me suis senti gêné. J'ai jamais ressenti un tel sentiment envers une personne. Ça m'a... Je vous explique un peu. J'étais sur GTA, hors live. Hein. Hors live, j'étais sur GTA. Attendez, putain, pourquoi ça me... Ah! Ah! Ok, je mets en mode, émoticône les gars, histoire que je puisse, parler et vous expliquer un peu la situation de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, j'étais à la maison, j'étais en train de jouer à GTA hors live. Merci beaucoup frérot pour ton abonnement niveau 1. Merci. J'étais en train de jouer à GTA hors live, tout ça, j'étais en train de farm à fond, j'étais en train de jouer, mais vraiment. C'est pour ça hier j'ai pas live parce que j'étais en train de farm à fond, j'étais en train de jouer à fond pour prendre de l'avance. Et pourquoi j'ai farm, vous allez comprendre dans le RP. Et aujourd'hui, j'ai carburé. Et à un moment donné, tu vois, on vient me dire, ouais, Jaoued, ça sonne. Ça sonne. Donc, tu vois, et au moment ça sonne, je te jure, je dis deux secondes. Je conduis, enfin, mon truc de GTA. Et à un moment, il y a un crash. Tu vois, le jeu, il a crash. Ça fait, tu vois, enfin bref, il y a eu un bug. À ce moment-là, j'étais vénère parce que j'étais en train de farm à fond. J'étais vraiment vénère. Et donc, je vais à ma porte d'entrée et j'ouvre la porte, mais tu sais, méchamment. Mais vraiment méchamment. Tu sais, mais d'un coup, pas comme ça, j'ouvre. Je vois, tu veux quoi? Comme ça, la vie de ma mère. Hein. Tu sais, le mec, il est surpris, tu sais, il est mesquin, tu vois. Il me dit, je peux te parler? C'est un abonné. Hein. Je dis, ouais, je peux me parler. Et il m'explique toute sa situation. Qui dort dans un hôtel avec sa mère et sa petite sœur. Donc, merci beaucoup, frérot, pour ton abonnement jusqu'au mois de juin. Et tu vois, moi, je lui pose des questions, tu vois, quel hôtel, tu vois, et tout ce qu'il me dit, c'est cohérent, tu vois, c'est vraiment l'endroit et ça, tu vois. Je suis vas-y, ok. Et en fait, Meskin, il m'explique toute la situation, bah, bref, qu'il est dans l'hôtel. Oh là, Meskin, il... Ses affaires avec lesquelles ils sont venus, enfin, ses affaires avec lesquelles il est venu chez moi, il m'a dit, j'ai porté ça pendant toute la rentrée. Je te jure. Il m'a dit, j'ai porté ça pendant toute la rentrée. Écoutez, hein, écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. Son moyen de laver ses vêtements, il les mettait à la machine. Écoutez bien, il les mettait dans la machine. Et pour que ça devienne sec pour le lendemain, c'est-à-dire quand il partait à l'école, Zama, tu sais, il prenait ses habits, un exemple, un t-shirt, il mettait un coussin par-dessus et il s'allongeait. Il s'allongeait pour que ses habits deviennent secs pour le lendemain. Et c'est ainsi qu'il avait toujours des habits propres. Mais c'est un truc de ouf ce qu'il m'avait raconté. C'était toujours la dèche et tout ça. Et moi, par rapport à tout ça, je ne savais pas comment réagir. J'ai pas autant de pouvoir, tu vois. Je suis chez moi, il est avec sa mère, sa petite sœur. Qu'est-ce que je peux proposer? Je lui ai demandé donc son numéro de téléphone. Je lui ai demandé. Ah, j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de l'appeler en live, mais lui faire la surprise, mais non. Bref. Et je sais pas, et c'est pour ça que j'ai besoin de vos idées. Moi, ce que je lui ai proposé, j'ai dit, écoute, le ramadan, c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin du ramadan. Je t'invite ta mère, enfin sa maman, et sa sœur à dîner à la maison. Vous venez à manger à la maison, ça vous changera un peu les idées. Moi, c'est la seule proposition, enfin, c'est la seule idée qui m'est venue en tête. Après, qu'est-ce que je peux faire pour lui? C'est pas moi, c'est vos idées que j'attends. Il dorme dans un hôtel à 3, c'est une chambre, hein, depuis super longtemps. Je lui dis de rentrer chez moi, tu lui dis viens chez moi, rentre. Tu vois, je l'ai ramené sur le rooftop, ça, et on a parlé, tu vois. Je pouvais pas lui dire, vas-y frérot, démerde-toi, enfin, tu vois ce que je veux dire, je peux pas lui dire, ouais, j'ai pas de solution. La seule solution que j'ai trouvée, c'est de venir chez moi avec sa mère. Qui mangent un peu à la maison, ça, tu vois, ça leur change un peu de la vue.
Et c'est pour ça, moi, vos idées, c'est que vous, qu'est-ce que vous aurez proposé? Je vais réactiver les commentaires. Vous, qu'est-ce que vous aurez proposé, s'il vous plaît? Ah, oh, vos idées sont bonnes à prendre, hein. Vas-y, je vous écoute. Attendez, vous savez quoi? Je vais l'appeler en live. La vie de ma mère, je l'appelle. Je vais lui faire la surprise. La vie de ma mère, je lui fais la surprise. Attendez. J'espère juste qu'il dort pas. C'était quoi ça? Ah, merci beaucoup, Jason. Je vais voir, attendez. Je vais l'appeler. J'essaye, hein. C'est quoi son prénom? Ah, c'est Nordine. J'appelle, hein. La une heure, j'appelle. Oula, ça fait fort, désolé. Je sais pas, je vois ce que je peux faire pour lui. Allô? Oui, allô, Nordine? Oui. Tu sais qui c'est? De quoi? Tu sais qui c'est? C'est un nom? C'est TK, c'est Jawed. Ouais, ça va? Ouais, tu te rappelles de moi, j'espère? Oui, bien sûr. T'es au camp, t'es venu te sonner à la maison tout à l'heure. Oui. Bon, j'allais dire, tu veux faire un petit coucou au live, ils t'entendent. Salut tout le monde. Ah, je sais que t'es un peu gêné, etc. Je parlais un peu de toi, je parlais un peu de ton histoire par rapport à ta maman et tout ça. Je leur ai déjà parlé, ça te gêne pas? Non, pas de soucis. Bon, ok. Bon, très bien. Moi, je tiens à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de t'appeler demain ou après-demain pour se fixer une date pour que tu viennes avec ta maman. Et moi, de mon côté, je vais avoir quelques jours et je vais avoir. J'ai très peu de temps pour réfléchir pour voir ce que je peux faire pour toi. D'accord. D'accord? On va me trouver des idées, t'inquiète pas. La communauté, elle est là, elle m'écoute et on va essayer de trouver une idée, d'accord? D'accord. Bon, ok. Bon, allez, je te laisse tranquille avec ta maman Merci et je beaucoup. souhaite une agréable soirée. Merci à toi aussi. Merci, à la prochaine. Je regarde ton live au cas où. Ah, Je vais bah, essayer de regarder. vas-y, ok, bah ça marche. Merci beaucoup. Allez, prends soin de toi. Oh. Ouais. Moi, je savais pas quoi dire. Tu sais, quand il te dit, ouais, je suis avec ma daronne, on est à l'hôtel avec ma petite sœur. Oh là, tu te dis, oh là, tu te dis, ça pourrait être n'importe qui d'entre nous dans le chat ici, la vie de ma mère. Nous, on est souris, on a Internet, on a notre tablette, on a notre PC portable, on a notre petit coin gaming, ça. Eux, ils sont dans un hôtel. Vas-y, bref. Ça me fait de la peine. Donation goal. Une cagnotte. Mais par contre, faut que je fasse une cagnotte. Comment ça s'appelle la cagnotte là? Le site là, Litchi. Comment ça s'appelle, Zakodi? Litchi. C'est Litchi? Un truc qu'on voit. Un truc qu'on voit, on a les traces, mais. Faut que je trouve quelqu'un qui peut s'en occuper. Faut que je trouve quelqu'un qui s'en occupe, quelqu'un de. Parce que moi, Litchi. Zakodi, tu peux? On ouvre une cagnotte pour lui? Oui, pour sa daronne. Même pas pour lui. Pour sa daronne. Et on le fait tranquillement et. Et voilà. Pour un petit mesquin qui est venu tout à l'heure. Vas-y, on va voir, on en parle tout à l'heure après le live, on va ouvrir un petit truc pour les mesquines, ça se fait hop. Et avant que je commence mon live aussi, Free Palestine aussi, au passage. C'est dingue ce qui se passe pour eux. D'habitude, c'est des sujets que j'aborde jamais sur mes lives. Tout ce qui est politique, j'avais un temps sur ça. Il y en avait un temps où j'en parlais et tout ça. À l'époque, Black Ops 1. Là, ce qui se passe, c'est chaud, ça se voit. C'est chaud. C'est ça, c'est ça. En tout cas, force à la Palestine et voilà. Quand tu vois ce qui se passe, mon pote, c'est écœurant. Bref.
Note, merci beaucoup pour les 5 euros. Salut TK, je sais pas si c'est possible de te coter, ne me peux engager, sa mère. Ah frérot, j'ai déjà quelqu'un chez moi. J'ai déjà Kaina à plein temps. Elle vient tous les jours. Ah, j'aurais pas eu Kaina, pourquoi pas prendre un membre de ta famille, hein, mais j'ai Kaina. En plus, Kaina va bientôt acheter une maison. Je suis content pour elle. Ouais. En tout cas, bref, j'espère que vous allez bien, les gars. J'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, je suis très content. Aujourd'hui, RP assez risqué. Je vous en dis pas plus. Et puis, en tout cas, bienvenue à vous, les gars. Je suis vraiment très content. Est-ce que vous allez bien, déjà? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez bien mangé? Est-ce que tout se passe bien pour vous? Et je vais aller me changer. Enfin, dans le truc. Ouais, et toi, frérot, moi, ça va super. T'as vu que j'avais un peu de peine pour le petit tout à l'heure. Je te jure, il m'a mis mal à l'aise. Et ma mère m'a mis mal à l'aise. Ah oui, merde, faut que je prenne l'IP. Zakodai. Il faut que je rencontre aussi ma copine. Ah ah. Ah ah. Super. Ok. Désolé tout le monde. Hein. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est ah, encore une fois. Ah, ah. Non, on va essayer de faire les choses bien aujourd'hui, les gars. On va essayer de faire les choses bien et c'est cool. Tac. Je suis mon petit F8. J'ai prévenu. J'ai prévenu Ilias pour le 13, c'est bon du coup. Ok, c'est parfait, bien vu, Slins. Bien fait, petit neveu. Bien fait. F8. Et c'est bon, et ça marche, les gars. Salut, mec. Salut à toutes les personnes qui sont là. Hein. Salut à vous. C'est bon, ça lance, les gars. Je vais juste être sûr. Ok, c'est parfait, on se met en jeu. Allez, vous allez comprendre ce qui va se passer aujourd'hui. Hop là. Sauce-it. Salut PG, t'aimes frérot, ce que j'aime, c'est la chatte à ta mère, fils de pute. Désolé pour le gros moi. Il l'a cherché, hein. Faut pas s'étonner, hein. Ah, il l'a cherché, hein. Ah, maintenant, je vanne, hein. Ah, j'insulte Deron. Oh là, putain. Merci pour le vocal qu'on a eu. Le problème de la demande d'amis est réglé. Ok, trap troll, je te rajouterai tout à l'heure. Enfin, si j'y pense. Qu'est-ce qui vous arrive?
J'ai voulu me rendre, monsieur. Vous êtes qui? On m'a dit que j'étais recherché, donc je viens de mon plein gré. Arrêtez de pleurer, vous inquiétez pas, ça va passer. Vous êtes qui? Monsieur Landers, Mark Landers. On m'a dit que j'étais recherché pour excès de vitesse. Faites pas mal, s'il vous plaît, mettez-moi pas en prison. Alors, je vais regarder ça. Je suis venu de moi-même, monsieur, regardez. On n'est pas venu me chercher, regardez. Oui, oui, je vois ça. Bah, attendez, parce que normalement, je suis pas en service, je vais appeler quelqu'un. 42, Oh merde! Oh putain! Oh! Ouf. Attendez. Putain, je suis chaud, mon poil. Merci beaucoup, Golemilou. Salut, t'es quand même pas si, grand si, joueur. Mais vu que là, je suis Merci en, beaucoup. Normalement en Merci arrêt. Beaucoup, frérot. Okay, pourquoi tu fais ça? Parce que je suis recherché. Je suis recherché, les gars. Je peux repartir? Ah non, monsieur. Pourquoi je peux pas repartir? Bah, le problème, monsieur, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'excès de vitesse. Mais dites-moi, mais le fait que je sois venu de moi-même, il y aurait une exception. Une petite non, exception. Le problème, c'est que là, je vais devoir appeler le procureur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pas vu les convocations? Mais si, mais j'ai mis du temps. Regardez, je vais être franc, on m'a passé l'information, c'est quelqu'un qui m'a passé l'information. J'aurais pu pas venir, mais je suis venu. Le problème, c'est que si vous étiez pas venu... Ah, attendez. Allez, écoute. Oh putain. Il va appeler le procureur, ça veut dire quoi? Je vais faire de la tôle? Les gars, dites-moi pas que je vais faire de la tôle, hein. Oula. Vous êtes le procureur? Oula, non. Vous êtes qui? Reçu. Toi, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Pourquoi vous pleurez? Vous êtes de la police? Oula, non. Qu'est-ce qui se passe? Tenez, prenez un mouchoir, tenez. Hop, calmez-vous. Monsieur, je peux partir maintenant? Non. Malheureusement, je vais devoir vous demander d'attendre. Ah bah, parfait. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Prenez une pastille, hein, si vous avez mal à la gorge. Vous parlez à moi? Non, pas à vous. Bah, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Je suis recherché par la police et je suis venu de moi-même. On m'a dit que j'étais recherché. Ah bon? Oui, j'ai tué personne, monsieur. J'ai fait que des excès de vitesse. Je vais perdre d'accord, mon boulot, je vais perdre mon travail, je vais tout perdre. Ça va, vous inquiétez pas, monsieur. Pleurez pas. Alors, moi, je vais... merci. Mais monsieur, si vous avez fait des excès de vitesse, comme vous dites, pourquoi vous les payez pas, les amendes? Je les ai tous payés. Ah, vous avez payé l'avance, en fait, parce que la vraie amende, c'est ici qu'il faut la payer. C'est combien? De mémoire, ça doit être 2 000 $ à chaque excès de vitesse. Allez, je la paye et on fait comme si de rien n'était. Non, il y a aussi... Ça fonctionne pas comme ça, monsieur. Il y a aussi 30 minutes de garde à vue à chaque... Sauf que là, vu qu'il y a un mandat d'arrêt, je suis vraiment obligé d'appeler le procureur, hein. Après, je sais pas, c'est peut-être d'être indulgent, je crois. Enfin, en plus, vous l'avez arrêté ou les Non, c'est moi qui est venu. Voilà, ouais, après... entre nous, quand même. Malheureusement, moi j'ai des ordres, j'ai pas le droit de faire autrement en fait. Maintenant, c'est le procureur qui gère son affaire. Moi je suis. Et le procureur, il va venir dans combien de temps? Bah écoutez, on va attendre un collègue, comme ça on va en discuter ensemble, on va voir avec lui. Et c'est avec lui que vous allez voir, c'est mon supérieur direct pour l'instant. Et on va voir ce qu'il va dire, lui, ok? Ok. Bah, si vous pouvez patienter, et puis calmez-vous, monsieur, ça va aller.
Je peux, parce que ici, j'étouffe ici, je peux juste prendre l'air un peu, je vous le promets, je me sauve pas, je vous le promets. Allez juste devant, ne partez oui, pas juste oui, devant. Oui, non, je promets, bah, je prends juste l'air, juste l'air. Ouais, bah je reste avec vous, juste derrière vous. Oui, bah oui, allez-y. Ah monsieur, du coup, vous... Ok, pas de soucis. C'est... Alors... Vous inquiétez pas monsieur, logiquement, si vous avez... Oui, oui. Vous avez fait juste des excès de vitesse, ça va bien se passer. Oui. Mais pourquoi vous avez parlé directement de tuer quelqu'un? Vous avez pas fait de bêtises quand même? Mais non, j'ai refait aucune bêtise, monsieur, je vous le promets. C'est juste hier, on m'a dit quand j'étais recherché, et moi j'avais peur. Et d'accord, donc je suis venu de mon plein gré. On vous a pas convoqué? Si, apparemment j'étais convoqué, mais moi j'ai pas vu, monsieur. Regardez, on m'a même rasé les cheveux. On m'a dit c'est pour pas qu'on te reconnaisse. Je ressemble à plus à rien maintenant, regardez. Avant j'avais des cheveux lisses, comme le monsieur qui est en train de parler là-bas derrière. On vous a rasé les cheveux? Oui. Mais qui? Je sais pas. Comment ça vous savez pas? Bah, en fait ils m'ont dit viens on va te faire une petite coiffure pour te présenter à une meuf. Alors moi j'ai accepté. Mais... Et ensuite ils m'ont rasé tout le crâne et m'ont dit non c'est pas pour une meuf, c'est pour pas qu'on te retrouve. Voilà. Ah oui. Voilà. Bah oui, oui. C'est eux monsieur le procureur? Non, non, ça c'est d'autres agents. J'ai envie de cavaler. Mais respect. Bonjour. Oula. Bonjour. Bonjour mon collègue, il est... Mais respect. Ouais, du coup, logiquement, monsieur, si vous avez fait juste des vitesses, ça peut se passer, mais vous allez quand même normalement aller en garde à vue. Tout non, pas de garde à vue. Tout ce qui s'ensuit. Monsieur, s'il vous plaît, pas de garde à vue. Je suis venu de moi-même. Monsieur, oui, mais j'ai totalement compris ce que vous m'avez dit. Après, là, ce qu'on m'a dit radio, vous verrez bien, mais bon. Voilà. Okay. Attendez, vous allez voir, on va vous expliquer. Là, c'est monsieur Mark Landers dehors, c'est ça? Oui, oui, c'est oui. Ça. Oh, merde. Ok. C'est moi qui est venu, hein. Précisez-le, monsieur. C'est moi qui ouais, est venu. C'est vous qui êtes venu? Tout seul. Ouais, ouais, il est venu. Ouais, mais vous étiez déjà venu une première fois, ensuite on vous a reconvoqué, vous êtes jamais revenu. Mais oui, je alors sais, mais vous là. Vous avez fait plâcher plein de fois? Oui, je sais, mais là on me l'a dit, je savais pas, et je suis venu de moi-même. J'aurais pu pas venir. Monsieur, si vous le saviez la première fois, vous le saviez la deuxième fois. Je vous jure que j'ai pas fait attention, j'avais tellement de missions. De missions. Depuis que je suis rentré dans ces... Oui, des missions, du travail, à gauche, à droite, au chantier, au Yellow Jack. Ouais, je comprends bien, sauf que on vous a convoqué une fois, deux fois, trois fois, vous êtes pas venu. Au bout d'un moment, bah forcément, on a déposé un mandat d'arrêt contre vous, hein, donc là, actuellement... Mais monsieur, pleurez pas, vous inquiétez pas, de toute façon, on va voir avec le procureur, c'est lui qui va venir. Je vais partir sur la chaise électrique. Mais non, vous n'allez pas partir sur la chaise électrique. Vous inquiétez pas, on va pas partir sur la chaise électrique. C'est quoi? Qui vous a dit ces conneries? C'est des gens, ils m'ont dit, ouais, t'es recherché. Mais t'es non, bah. Ils ont employé le mot wanted. Wanted, bah oui, bah, en fait, wanted, ça veut dire recherché. Donc oui, vous étiez recherché. Mais vous n'êtes pas recherché pour qu'on vous mette sur la chaise électrique. Et on met plus grand-chose sur la chaise électrique, de toute façon. Vous allez purger votre peine pour les conneries que vous avez fait, ça vous le comprenez. Ouais, mais une peine de combien de temps? Bon, ça, je sais pas, monsieur, c'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Ah, monsieur, quelle idée c'est d'aller de faire plusieurs excès de vitesse comme ça? C'est vos missions qui vous amènent à aller très vite? Vous voulez que je vous fasse une confidence? Vas-y. J'aimerais bien travailler pour le gouvernement, et le gouvernement, c'est-à-dire le président. Et j'aimerais bien devenir son conducteur. Vous voyez ce que je veux dire, son chauffeur. Et pour ça, je m'entraîne à conduire super vite. Ah bah voilà, bah parfait. Parce que vous croyez qu'il faut conduire super vite quand on est chauffeur pour le gouverneur? Eh bah, non, j'ai pas encore appelé le procureur, j'étais en train de parler avec monsieur. S'il y a une fusillade ou un truc comme ça, faut bien que je parte. Ah bien vitesse. Sûr, mais il y a des formations internes pour ça. Vous doutez bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne, qu'on s'entraîne. Merci, vous imaginez, hop, moi je veux devenir force spéciale des US Navy SEALs, je sais pas quoi, et je me mets à tirer sur tout le monde parce que au cas où il faut que je m'entraîne. Bonne soirée à vous, messieurs. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, monsieur. Ça se passe pas comme ça. Eh les gars, comment on fait? Et puis là, c'est pas une fois, deux fois, trois fois que vous avez essayé là. Oh merde, Fivio. En plus, vous essayez sur les autoroutes, c'est rempli de monde, vous rendez pas compte, vous avez pu percuter des femmes, des enfants, n'importe qui. Des quoi vous avez dit à la fin? Vous aurez pu percuter des femmes, des enfants, des gens qui conduisent, des familles quoi. Ah. À rouler à cette vitesse sur la route. Vous avez raison, monsieur. Ah bah, bien sûr. Alors, on n'est pas là pour faire la morale, mais un minimum de bon sens, quoi. Non, c'est vrai, vous avez raison, monsieur.
Les gars, comment on fait pour Monsieur Landers, du coup, je vais vous laisser me suivre. Oh non, pas la cellule. Non. Non, suivez-le, vous inquiétez pas, monsieur. Allez. Ouais, ça va bien se passer. La cellule. Du coup, Monsieur Landers, vous allez être mis en détention provisoire le temps que le procureur se déplace. Bon. Détention provisoire, ça veut dire quoi? Ça va et toi? Vous allez être en détention jusqu'à ce que le procureur arrive. Il est actuellement occupé, donc du coup, on va vous mettre en détention provisoire en attendant. Mais détention, qu'il arrive. C'est quoi de la détention? C'est la cellule. Détention, c'est de la garde à vue. Ah, si, monsieur. Je reste dehors, c'est vous qui avez fait les bêtises, monsieur. Réagissez pas comme un enfant, hein. C'est pas moi, j'étais pas au volant. Hein. Comment on fait pour se mettre un flingue sous la gorge? Vous savez, un enfant, quand il a fait une bêtise et qu'on lui dit qu'il va être puni, on dirait votre réaction. Monsieur, vous êtes adulte, vous savez très bien que vous avez fait une connerie, c'est pas grave, entre guillemets, parce que vous allez purger votre peine. Donc, alors, je vais vous laisser, vous me donner votre carte d'identité et votre permis de conduire, s'il vous plaît, monsieur. D'accord, tenez. Voici ma carte d'identité. Mmh. Il se passe quoi? Je t'explique après. Le monsieur là, il veut tenir. Et votre permis de conduire également, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, regardez. Ok, très bien. Pleurez pas, monsieur, quand même. Vous inquiétez pas, c'est... comme vous a dit, c'est provisoire, hein. c'est pas. Oui, mais il a dit permanent. Il monsieur... pas de détention là, il a dit. Vous allez en faire, oui. C'est pas permanent, monsieur, vous inquiétez pas. Hein. Ouais, mais de la détention, ça dure combien de temps? Bah, c'est provisoire jusqu'à ce que le procureur arrive et qu'il décide de votre sort, tout simplement. Mais ça veut dire que je pourrais essayer toute la nuit? Ah bah, affirmatif, c'est de la provisoire, mais il va essayer de venir au plus vite, vous inquiétez pas, de toute façon, nous on fait en sorte qu'il arrive après son procès. C'est juste qu'on peut pas vous laisser en liberté, vous êtes actuellement recherché. Donc, monsieur Lander, je vous laisse vous mettre contre le mur, je vais effectuer une petite palpation de sécurité. Oui, mais attendez, très bien, je levais mes mains au passage. Oui, mais... je fais la petite fouille de sécurité, après vous me dites. Vous... Oui, allez-y, d'abord fouillez-moi. T'as besoin d'un coup de main? Monsieur, vous avez un PPA pour ce que vous avez là dans votre poche là? PPA, le permis? Le permis de port d'armes? Oui, j'en ai un. Vous en avez un? Vous me le montrez s'il vous plaît? Oui. Bah, je vais pas montrer. Et je peux le prendre peut-être dans votre poche? Gardez les mains bien en l'air par contre. Oui, allez-y. Et tu l'as 24 ans. Je vous laisse me présenter du coup le PPA. Oui. Vous pouvez baisser les mains pour me le présenter. Je vous montre mes licences, monsieur. Ok, le PPA, c'est bon. Donc du coup, je vous laisse vous retourner. Et à vous relever les mains, s'il vous plaît. Je continue la fouille. De sécurité. Du coup, je vous prends temporairement votre pistolet. Je vous le rendrai après votre garde à vue. Oh, mais c'est pas d'accord possible. Voilà. Donc, grave, ça arrive. Vous pouvez baisser les mains. Mais redonnez-moi mon arme. On sait jamais si je suis en danger. Je vais vous la rendre. Mais vous êtes pas en danger, vous êtes au SHP. Oui, c'est vrai. Bon, monsieur, vous pouvez baisser les mains, monsieur. Vous aviez une question à me poser avant que je vous lise vos droits, dites-moi. Oui. Oui. Est-ce que je peux sortir et je reviens plus tard? Bon, non, négatif. Non, mais... non, négatif. Je reviens de mon plein gré, comme je l'ai fait. Oui, non, mais négatif, oui, bien sûr. Appelez-moi la reine d'Angleterre aussi. Bah, écoutez, je vais juste faire pipi, non. Je reviens. Non, négatif, vous allez faire pipi après. De toute façon, il y a des toilettes, ne vous inquiétez pas. Ouais, des toilettes au passé. Regardez, il y a des ordures dehors, je peux aller les ramasser. Non, négatif, vous restez là. Alors, monsieur, du coup. Monsieur Mark Landers, vous êtes en état d'arrestation pour multiple excès de vitesse et récidive. Nous sommes le 11-05, il est 21h59, vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat et d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office s'il y en a un en ville. Durant chaque interrogatoire, vous pouvez décider à n'importe quel moment d'exercer ses droits, de ne répondre à aucune question ou de ne faire aucune déposition.
Durant votre garde à vue, vous pouvez bénéficier de soins, de nourriture et d'eau. Si aucun avocat ni aucun médecin n'est présent en ville, la procédure suivra son cours. Avez-vous bien compris les droits que je viens de vous annoncer ? Oui, monsieur. Et d'accord. Est-ce que vous voulez exercer un de vos droits ? Non. Très bien. Bah, je vous laisse me suivre. Un agent qui se met derrière moi, s'il vous plaît. Ouais, pas de soucis. Les gars. Alors. Ouais, monsieur, c'est rien. Continue. Monsieur, quand même, vous êtes adulte, quand même. Mais la prochaine fois que vous m'appelez Mark Thunders, je vous enlève votre chapeau. Hein. Je vous ai pas appelé Mark Thunders, je vous ai appelé Mark Landers. Non, Thunders. Non, oui. C'est même votre collègue, vous avez entendu. Vous êtes un tacos 3 viandes aussi. Mark Thunders. Monsieur, c'est à gauche, monsieur, c'est à gauche, c'est là-bas. Mark Thunders. Mais attendez, monsieur. Je vous laisse vous mettre contre le mur, je vais procéder à une fouille complète de vous. D'accord. Mais on est. Attendez. On est d'accord que. Là, je vais faire de la prison, mais j'ai un casier vierge, rassurez-moi. Ah bah ça, c'est pas moi qui saturera là-dessus. Au SHP, dans tous les cas, on vous met pas de casier. Maintenant, dès l'instant où il y a un mandat d'arrêt, tous les services de police ont eu votre tête, hein, puisque vous aviez un mandat d'arrêt sur tout l'état de San Andreas sur votre tête. Je vous enlève votre radio et votre téléphone, monsieur, d'accord ? Oui. Je vous les rendrai après. Oui. Voilà, je vous laisse me suivre. Je vous laisse... vous mettre ici, vous déposez votre écharpe, vous déposez votre ceinture, vous déposez vos lacets, vous déposez votre sac, vous déposez tout ce qui est chaîne, montre et tout ça, et mon collègue va les mettre dans le petit carton. Hop, mais je récupère tout et je vous les rends à la fin de votre garde à vue. Voilà. Oui. Alors je le fais ça tout de suite, hein. Bougez pas, hein, s'il vous plaît. Allez-y. Pas de soucis. Non. Non, monsieur. Non, c'est pas nécessaire non plus d'enlever votre pantalon. Non, faut pas se déshabiller. Non, mais, ouais, non, ah mais oui, en d'accord, fait, j'ai compris, pardon. Vous enlevez juste les lacets, voilà. Ouais. Juste les lacets, les bracelets, les montres. Tout ce qui pourrait être dangereux pour vous. Voilà. Ah, pas ça, dangereux pour vous. Vous pouvez remettre vos chaussures aussi, vous enlevez juste vos lacets, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Okay, vous avez la possibilité d'enlever votre sac ? Oui. Bah, si vous pouvez, vous l'enlevez. Donnez-moi. Ah, tenez. Ok, super, merci monsieur. Ouais. Je le dépose là et vous le récupérez à la fin de votre garde à vue. Oui. Ok. Vous pouvez l'enlever votre écharpe ou pas ? Je vous laisse me suivre, monsieur. Oui, tout de suite, monsieur. Suivez-le, monsieur. Il me donne l'écharpe d'abord, s'il vous plaît, l'écharpe. On sait jamais. Oui, l'écharpe. Mais je vais pas me pendre. Oh. Non, mais c'est okay, jamais. Je prends sécurité pour vous, monsieur. 98, vous pouvez aller à l'entrée avec 17, voir s'il y a du monde. Ok. Merci. Et rangez votre taser. Monsieur Landers, je vous laisse me suivre. Attends, il enlève son écharpe. Ah ok. Oh, il a du mal à l'enlever, je pense que je suis pas sûr qu'il puisse l'enlever. Et 24, de devant, il m'a parlé de quelqu'un qui lui avait rasé les cheveux ou je sais plus. Bon, ça c'est pas mon problème si son coiffeur l'a raté. Hein. Hop, je vous laisse enlever vos lunettes du coup, parce que vous avez mis vos lunettes. Ah oui, bien, je vais les enlever là-bas. Ah, c'est pas grave. Mettez-vous devant, je vais prendre une petite photo. Oh mais non, mais non, ça veut dire que je vais... Non, vous m'avez dit que j'aurais pas de casier judiciaire. Mais non, ça... Les mecs à qui on prend des photos, c'est des mecs qui ont casier judiciaire, monsieur. Ah, vous inquiétez pas, de toute façon, si vous allez au pénitencier, ce sera aussi nous, on gère aussi le pénitencier. Je vous laisse enlever vos lunettes et me regarder, monsieur. Oui, monsieur, tout de suite. Voilà, monsieur. Bien droit devant moi, s'il vous plaît, monsieur. Il pourra t'occuper de lui pendant que le procureur y vienne. Je vous laisse vous mettre proche des chiffres. Tu pourras t'occuper de lui pendant que le procureur y vienne, parce que c'est... on sait pas combien de temps ça va mettre. Ah bah oui, hein, voilà. Je serai avec mes radars et puis avec lui, il va me tenir compagnie. Hein. Ça te fera un peu de discussion. Hein. Ça va garder le gouvernement. Ça, mettez-vous bien droit, exactement. Monsieur. Parce que voilà. le temps qu'on a gardé le gouvernement avec, monsieur, avec le juge. Ouais, mais de toute façon, moi, minuit... Regardez en face de vous, monsieur, s'il vous plaît. Je vais aller voir Aquiné, là, qui m'a pris en charge. Bon, allez, monsieur, je peux pas rester sans travailler, c'est pas possible. Vous me regardez bien droit. Ah oui, voilà. D'accord, ouais, c'est... C'est de toute bon façon, je pense que t'es assez chaud. Là. Ah oui, oui. Bah ouais. Ouais, c'est juste histoire de... Légalement parlant, voilà. Donc, monsieur Landers, mais non, mais monsieur, non, mais vous abusez, c'est pas Thunder, c'est Landers. J'ai dit Landers. Ah, pardon, c'est bien. Bon allez monsieur Thunders, on va vous mettre dans la... Oh, wow. C'est du poulet ? Qui a du poulet ? Bah, c'est lui qui a du poulet, je crois. C'est monsieur Thunders. Attendez, j'ouvre la cellule.
Ok, c'est bon, vous pouvez rentrer. Mais ouvrez-moi la porte, j'arrive pas, monsieur. Bah, je viens de l'ouvrir, la cellule, là, vous pouvez rentrer. Non, il y a un piège, il y a un piège, monsieur, je vous jure. Pas de piège, bah, vas-y, bah, rentrez en premier pour voir. Bah, non, négatif, mais regardez, elle est ouverte, vous rigolez ou quoi? Non, 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 il y a un truc, qui va me tomber dessus. Monsieur, vous rentrez dans le. Je vous promets qu'on me l'a déjà fait. Juste, bah, attendez, prouvez-moi qu'il y a rien. Excusez-moi. Bon. Monsieur, rentrez à l'intérieur, rentrez à l'intérieur. Non, non, négatif. Mais monsieur, vous croyez, c'est quoi ici? Vous êtes enfermé, monsieur! Vous êtes enfermé! Allez! Il est dehors, mais qu'est-ce qui. Mais monsieur. Il croit que c'est la fête. Il va se manger un coup de taser là. Moi je vais le taser. Eh, autorisation de taser là. Impossible ça. Non, je rigole, ça y est, je vous promets, je rigole. On n'est pas des guignols. Non, pardon, promis, j'arrête, je vous promets. C'était ma dernière chance. Quelqu'un à l'entrée pour toi. Oh, je voulais juste vous passer de la bonne humeur. Attendez, vous le faites pas sur tes sourcils, monsieur Landers. Okay. Ça, en plus, ils sentent le poulet frit. Par contre, monsieur, c'est la dernière fois. Oui, oui, c'est la dernière fois. Non, c'est promis. Pourquoi, monsieur, vous boitez? Ça te regarde pas, ça. Ah, ok. Déjà, vous voyez le monsieur, vous ne tutoyez pas. Pardon, pardon. Non, mais je parle à mon collègue. Ah. Je vois pas c'est qui, là. C'est 11. Ah, salut, 11. Voilà. Oui, alors, monsieur, là, y a pas de vous avez faim ou soif ou pas, monsieur? Attendez, je regarde. Vous avez cru que c'était un train fantôme ou quoi, le poste de police, là? Il y a un truc qui va vous tomber dessus. Vous avez cru que c'était Disney, ici, ou... Pardon, oh. Monsieur. Bon, est-ce que vous voulez manger quelque chose? Non, c'est bon, non, tout va bien. Est-ce que vous avez soif? Non, je vous le dirai, c'est bon. Ok, très bien. Bah, vous attendez là en attendant que le procureur arrive, je vous tiens au courant de toute façon. Les gars, restez avec moi, mais c'est pas seul. Oh, négatif. C'est pas une garderie ici, monsieur. Qui est cette personne? Ok. Un seul Gut. Ah, j'avais mis l'avis de recherche sur lui. Ah, bah, comment vous l'avez eu? Bah, il est venu tout seul. Ah, d'accord. Ouais, mais non, je préfère venir de moi-même. Comme putain, je vais rester en 11. Ça va être comme ça avec Julie. Allez, attendez. Hop. Le ban, les mecs. 600 secondes, lui. Vous le mettez 600 secondes. Oui, ça va, monsieur, ça va, vous inquiétez pas, ça va très bien. C'est qui, boule de billard? Attends, c'est qui m'a appelé boule de billard? De quoi? Mais non, ils doivent parler de moi. Hein? Regardez. Il est où, monsieur? Hop. Tenders? Crâne d'œuf. Ah bah, je crois que, hein, bienvenue au club, hein. Crâne d'œuf. C'est bon. Gamin, mon personnage. Bon, de toute façon, je vous tiens au courant dès l'instant où le procureur arrive, d'accord? Dites-moi à peu près une approximative. Bon, approximativement, je dirais... 92 heures. Non, non. Non, allez, je déconne, mais non, je déconne. Wesh, les gars, je vais rester combien de temps en tôle? Non. Ils ont oublié de fermer la première porte. Et ils ont... Je fais le dossier de monsieur Tenders de toute façon là. Je vais l'enculer. Ok, pas de si. Wow, ils ont laissé la cellule. Ah. Vous avez bien le bip, monsieur? Oui. Ok, pas de si. Allô? Vous êtes rentré là actuellement? Oui. Oui. C'est Uber Eats? Oui, il me faudrait des tenders, sauce ketchup... Excusez-moi, vous faites quoi là? Bah je commande pour tout le monde. Mais vous êtes cru où là? C'est pas ici qu'on commande. Oh putain. Attendez. Oh! Il n'a pas enlevé mon arme. Ah oui? D'accord. Monsieur, c'est vous m'avez dit que vous avez fait juste des excès de vitesse? Oui. D'accord, vous avez fait que ça? Oui. D'accord.
Pourquoi ? Non, c'est une simple question, monsieur. Non. J'ai pêché, désolé de vous avoir charrié. Ah, je ne recommencerai plus. Pas de soucis. HRP, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi vous me dites HRP ? Attends, et... Ah, d'accord, ok. Ok, ok, ok. J'ai entendu qu'il y avait quelque chose de spécial ce soir. On est convié nous aussi ou pas ? Ou je sais pas, j'ai pas entendu parler de tribunal ou truc comme ça. Ça se trouve, c'est pas ce soir, hein. J'ai descendu dans mon jardin. J'ai descendu dans mon jardin. Gentil petit coquelicot, Monsieur, peut vous calmer, s'il vous plaît ? J'ai descendu dans... Vous savez que ça, on le dira au procureur. Hein. Non, oh, monsieur, madame de la mère, j'arrête. Ah, voilà, donc vous calmez. D'accord, c'est bon. Ok ? Oui. Vous êtes calme, on est calme. Hein, oui, mais attendez, c'est quoi, là ? Non, promis, ça y est. Monsieur, sincèrement, vous chantez des chansons en cellule, là. Bah, et vous voulez que je fasse quoi ? Bah, c'est pas... Du sport. C'est pas la fête. Attends, ça veut dire... Attends, vas-y, tranquille, Eric. Bah, vous pouvez faire des pompes, des tractions... Aïe. Ah, non. On peut tout faire, hein. Enfin, traction, c'est un peu tendu ici, quand même. Bon, faut que je perde le bide, en plus, moi. Les gars ? Oui ? Oui. Je peux vous sentir une chanson ? Doucement. D'accord. J'ai descendu... Non. Bah, c'est bon, alors. Doucement. Allez, c'est bon, ça y est. Je chante des chansons. On est où, là ? Bon, nous, on va vous laisser. Passez une agréable soirée. N'hésitez pas à biper si vous avez faim. De toute façon, vous êtes là au moins pour 3-4 heures. Hein. Non, frérot, non, tu peux pas me faire ça. Comment ça, frérot ? Ah, mais c'est. Non, mais façon on est pas frère, mais... Excusez-moi, vous m'appelez comment ? Pardon, monsieur. Vous savez que tout ce que vous dites, monsieur, ça pourrait être retenu contre vous, là. Mais monsieur, mais. On est tous frères ? Non, bah non. On est tous. Frères, monsieur. On est tous. Oui, mais vous m'appelez pas non, frère. On monsieur, est tous égaux, mais on est pas frères. On est tous descendants d'Adam. De qui ? Adam. Non, rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit, ça m'a tranquillé. Je m'en vais là-bas. Oui. Monsieur, si vous avez pas envie d'aller aux toilettes tout à l'heure. Si, oui. Bah allez-y, ouais. C'est juste là, regardez. Bon, on va se retourner parce que j'ai pas envie d'en savoir. Là, dans les toilettes. Ah ouais, mais non, frérot, j'ai pas. Ouais, non, ouais, regardez comment ça prend. Je vous parlais pas de m'appeler frérot quand même. Bah oui, mais voilà. Arrêtez d'appeler frérot, monsieur, on n'est pas vos amis, s'il vous plaît. Non, excusez-moi, j'arrête. Merci. Non, mais s'il vous plaît, non, mais vraiment, regarde, on s'arrête à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. On s'est vu, on s'est dit bonjour, je venais de mon plein gré. Mais après ça, il s'est plus rien passé, d'accord ? Oui. Allez, je me mets là et je me tiens le carreau. Ok. Prochaine ganderie, je retiens tout ça. C'est. Et chantez pas, s'il vous plaît, monsieur. Non, mais ça, c'est pas grave. Vous aviez pas des cheveux avant, monsieur Marc ? Mais si, on me les a rasés ! Apparemment, il s'est fait raser la tête. Pour quelle raison ? Mais je sais pas, parce qu'il y a une mec qui m'a dit ouais, je vais te faire un date ou je sais pas quoi là. Il y a une meuf qui va venir, et au final ils me l'ont mise à l'envers. Ah. Ouais, et au final voilà, ils me l'ont mise à l'envers, et regardez à quoi je ressemble maintenant. Monsieur, vous m'avez pas dit ça. À mon avis, vous aurez peut-être le temps. Ah hein, si, monsieur, on m'a coupé les cheveux. Oui, vous m'avez dit ça, mais vous m'avez dit que c'est pour plus qu'on vous reconnaisse. C'est pas, monsieur Flanders. Oui, justement, et c'est qu'après qu'on m'a dit ça. Non, c'est pas après qu'on m'a dit ça, ils m'ont dit qu'il y avait aucune meuf, et justement c'est pour pas que je me fasse reconnaître. Bizarre ça. Ok. C'est sûr que là on vous aurait pas reconnu. Ah bah oui. Ah bah là. Vous avez c'est bon, le dossier est fait, donc messieurs, je vous laisse venir devant le PDP, on va faire un dispatch. Qui, moi ? Ok. Okay pas... Non, pas vous. Vous restez là. Non, pas vous les agents. Comme ça, vous chantez votre sonnez. Chanson, de toute façon on n'est pas là. Donc. D'ailleurs, 24, il y a toujours le monsieur non, qui chante dans la formation. Ouais, j'ai... D'accord. Les oreilles vont mourir. Il fallait pas me le dire deux fois. Hein. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu... On n'est pas encore parti. Ah, pardon. J'ai descendu dans mon jardin. J'ai descendu dans mon jardin. Gentil petit coquelicot. J'ai descendu dans mon jardin. J'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du. Mm-hmm.
descendu. Monsieur ? Monsieur ? Affirmatif ? Vous faites quoi ? Je suis en train de vérifier des choses. D'accord. Et 11, t'as toujours pas récupéré ta plaque du coup ? Non, non, du coup je revois juste un petit peu les dossiers vite fait, ce que j'ai manqué, etc. Ok, ok, parce que je t'aurais bien amené en patrouille là du coup. Ouais, pas attends, j'ai bah tu peux prévenir 24. De toute façon, je sais quoi ? Bah que j'attends du coup ma plaque avec pour le capitaine, et dis j'arrive directement après de toute façon. Ok, ah, bah de toute façon, là, le capitaine il arrive. C'est pas. Ok, ok, ok. Bah non, du coup j'entends pas, j'ai pas la radio. Ah oui, putain, bah il arrive. Putain, okay, j'aurais dû jamais venir. Monster, money goodness we, rig is higher, look at you running now, monster, money goodness we, rig is higher, look at you, oh 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 oh, garga. Il y a vraiment un sacré problème dans le ciboulot, hein. Merci beaucoup pour ton émotif, vous avez un sou. Oh là là. Monsieur ? Affirmatif. Je vous promets, après je vous embête plus. Là vous pouvez chanter, ça me dérange pas. Hein. Bah, on la chante ensemble ? Négatif. Je peux pas. Ah mais y'a personne à regarder, s'il vous plaît. Il y a des caméras partout. Dans tous les cas, négatif. C'est... Je voulais chanter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans tous les cas, vous avez le temps pour l'instant. Bah, bon, très bien. Alors, moi, je fais le plus dur. Je fais toute la partie. Et je joue à la fin, dès que je claque des doigts, vous faites oh, 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 garga, s'il vous plaît. Juste ça. S'il vous plaît. À voir, peut-être. Allez, allez, s'il vous plaît, allez. S'il vous plaît, attention. Monster, money goodness we, real desire. Look at you running on a monster. Money goodness we, real desire. Look at you. Oh, gaga. Oh, merci, monsieur. Ouais, oh là là. Hey, je crois que vous allez être sage. Hein. La vie de ma mère, je branche plus. Allez, silence radio, c'est bon. Oh non, ma fille. Oh, les gars, des cœurs pour lui, hein, des cœurs. Ah, il a joué le jeu, comment ça fait plaisir. Il a fait oh, gaga. Ah, il a bien joué le jeu, ça fait plaisir. Putain. Ah là. Non, j'arrête, parce que c'est pas bien. Vous souhaitez de l'eau, de la nourriture ou autre ? Oh non, écoutez, tout va bien. Jusqu'à là, tout va bien. D'accord. Vous pouvez faire ce que vous voulez pour l'instant, dans le cas, à peu près. Hein, c'est... Dans les limites, évidemment. Ah, je regarde un peu. Parce que ça se trouve, peut-être un de ces quatre, si je me porte bien, ça se trouve, je ferai partie des vôtres. De nous ? Eh oui. Ouais, c'est mal barré, hein. Je sais. Mais pour la conduite, vous aurez besoin de moi. Ça, je vous le dis. Là, croyez-moi, vous serez pas mal barré. Ouais, j'ai motif, hein. Affirmatif. 11, dites-moi. C'est quoi votre matricule ? D'accord, enchanté. Junior. Un peu plus ancien à la rigueur, mais bon, c'est... Il n'y a pas tellement de différence. Il n'y a pas de différence, mais bon, oui, Junior. Ouch. 11. Affirmatif. Ah, négatif, moi je suis tout en jeune, je suis du même grade que vous. 36, je vous vois. Affirmatif. Donc il est dans l'entrée. D'accord, merci. Ah, c'est 17, c'est 90. Merci beaucoup, Okay. Oh, c'est nickel. Du lieu que t'as fait de retour après 03. Une petite pause. T'es de retour pour une petite, après une petite pause, c'est ça? Oui. T'es de retour après une petite pause du service, c'est ça? Ok. Allez, je comprends. Donc,
Ouais, Faut appeler qui quand elles sont bouchées comme ça là? Non. On peut demander aux mecs qui font les gardes à vue. Hein. Au pire, monsieur, ça vous dérange pas d'aller boucher les toilettes? Monsieur? Oui. Ça vous dérange de déboucher les toilettes ou pas? Non, je peux le faire. Attends, parce qu'après lui c'est un spécimen, il a essayé de se barrer tout à l'heure. Ah! Ouais, bah non, ah, laisse-la. Ouais. Parce qu'en franchement, je viens d'aller aux toilettes là, c'est un peu bouché quoi, mais c'est pas grave. Hein? Monsieur? Ah, je suis désolé, allez bien que. Ah, bah oui. Oh la vache. Monsieur, sortez-moi de la cellule, monsieur, mon odeur, s'il vous plaît, monsieur! Oh! Oh l'odeur là! Oh la cellule! Monsieur! Au secours! Oh là là là! Bougez pas, je vais allumer le ventilo là. Oh, parce s'il vous plaît, que... allumez le ventilo. Non. Ah oui. S'il vous plaît, monsieur! Attendez. Alors. Vous le sentez? Y'a pas de ventilo. Attendez. Ça sent! Oh la vache! Oh! Non, monsieur, sincèrement. Vous savez pas vous retenir ou quoi? Ah bah monsieur, oh ouais. Vous êtes pas un bébé quand même, c'est monsieur. C'est la nature, c'est oui, même... non mais je comprends totalement ce que vous voulez dire. Vous allez le dire au procureur, mais... ça aussi? Non, alors. Ça c'est... Je vais pas vous interdire de le péter. Pétez-vous pas... Alors j'en pose des questions alors. Non, promis, ça y est, j'arrête, une heure. Oui, parce que... bon... Sinon, vous avez débouché les toilettes quand même? Pardon? Vous avez été toilettes là? Vous avez besoin de manger ou à boire ou pas? Ouais, non. Ok, bah parfait alors. Dites-moi, monsieur Flanders. Oui. C'est quoi vos missions que vous m'avez dites tout à l'heure là? C'est pourquoi vous avez besoin d'un pistolet? Pourquoi j'ai besoin d'un pistolet? Bah ouais. Monsieur le PPR. Oui, mais c'est... En passant le permis, mais pourquoi je voudrais un pistolet sur moi? Ouais. Au cas où, il pourrait vous arriver. S'il vous plaît, juste écoutez ça. Écoutez juste cette histoire et je vous promets que c'est pas une connerie. D'accord. Imaginons que vous sortez de service, vous avez fini, d'accord? Vous partez, vous partez rejoindre des collègues ou une copine dans un bar ou dans un restaurant. Et tout à coup, dans ce restaurant de ce bar, il y a des gens voilà, qui ont des pensées pas très bien et qui vous prennent en otage. Et moi, je vois ça devant mes yeux. Je serai là pour vous défendre. Bah non, vous appelez la police? Ouais, vous appelez la police. L'arme, elle est censée juste pour vous protéger si jamais il vous arrive quelque chose, qu'on vous agresse ou quoi que ce soit. Ah, elle est pas censée être utilisée. Vous avez marqué un point. Non. Je vous rappelle, c'était pour savoir si vous connaissez les codes de la route, enfin les codes de pistolet. Ouais, y'a pas de soucis, monsieur. Mais je tiens à vous rappeler que c'est censé vous juste pour vous défendre. Je vous rappelle qu'une arme, ça peut blesser quelqu'un, voire le tuer, monsieur, quand même. Non, c'est vrai. Non, mais c'est pour nous défendre au cas où, en cas de problème. Même si vous êtes otage, vous appelez directement la police. Vous imaginez, ils vous prennent aussi vous en otage. Ça peut être dangereux quand même. C'est vrai. Voilà, 17,99, on va aller dans le PTP, on va faire un dispatch. D'accord. On va éviter de péter, monsieur, s'il vous plaît, si vous voulez pas mourir. Non, pas de problème. Bon, vous savez, merci. Quand on appelle le pro pour pas te relâcher, général, certainement, prison fédérale, toi, j'ai fait beaucoup, et là, je suis... J'ai pas compris. Ils sont partis, ils m'ont laissé tout seul. Bah, en fait, attendez. On fait un test, hein. Oh là, elle est ouverte, là. Oh là là. Elle est ouverte. Attendez, je regarde l'autre. Oh non, je regarde pas l'autre. Chante, ils vont revenir. Non. Parce que là, ils sont partis en patrouille. Mais je préfère jouer le RP, tu vois, je préfère le... Parce que je sais que... Enfin, pas dans ce serveur, mais je sais quand il y avait des gens recherchés, les gens, ils venaient pas. Tu vois, c'est pas cool. Et moi, le fait de faire ça, tu vois, ça leur fait aussi jouer des scènes, et moi aussi. Donc c'est cool, tu vois. Après, j'ai pas non plus tué, hein, j'ai fait juste de l'excès de vitesse. Hein. Donc mon personnage, il reste propre encore. Et là, si je veux, je peux faire... Enfin, avec le temps, je peux faire partie de la maison. Enfin, de chez eux. J'ai envie de cavaler.
Après, faut pas non plus que je me foute trop de leur gueule, hein. Faut les respecter, hein. C'est des forces de l'ordre. Hein. Enfin, les. Voilà. Vous avez compris. Et encore, c'est pas des connards, hein. Vous avez vu, hein. Je rigole avec eux, ils jouent le jeu. Hein. Donc, c'est ça qui est cool. Moi, j'aime bien. Tu peux pas avec le cartel. Ils sont pas au courant. Et moi, je suis pas dans l'illégal. Hein. Je suis pas dans l'illégal. Enfin, quoi que. Fuis tes cas. Non, j'ai pas envie de fuir. C'est RPTK, il a oublié de fermer la porte à clé, ça te ferait une scène de t'enfuir et c'est complètement RP. C'est vrai? C'est agressif quoi. C'est pas que vous êtes agressif, mais c'est que en fait votre comportement il y a eu un changement. Voilà. Oui. Ouais. Vas-y, rentrez. Ah, il me voit. Ah, il me voit, putain. Il me voit, frérot. Regarde, il est en face de la porte. Regarde, vous voyez? Il a juste à faire ça, bouger d'angle. Eh les gars, je voulais vous poser une petite question. Eh, on est d'accord que jeudi c'est férié, ouais. Jeudi, c'est férié. Oui. Mais comment ça se fait qu'il y a des livreurs qui travaillent? Des livreurs de chez Leroy Merlin. Comment ça se fait? Parce que le roi Merlin, il est... les livreurs, tout ça, ils marchent. Hein. Enfin, ils travaillent. Hein. Convention collective. Ah oui, bah oui. Bah oui. Il m'a enlevé mon téléphone et ma radio, putain, ouais. Ouais, ok. Ouais, je peux pas faire maintenant, putain. Julien, enlève ton bandana, wesh, tu t'es cru pour ADZ, on dirait t'as mis le torchon de Aïcha sur la tête. Hé, hey, Julien, la putain de ta mère celle qui t'a mis au monde, fils de chien. Bon là, ta mère, elle aurait dû inverser le berceau, espèce de sale bâtard, va. Attendez les gars, je vais apprendre des trucs. Option. Wow. Merci beaucoup frérot Mick. Pour ton abonnement niveau 1. Mais c'est où alors pour
Option. Radio. Comment on fait les gars pour... Mais je suis vraiment... Non. Ouais, pour danser. Il est là pour combien de temps cet individu? Alors jusqu'à ce que le procureur ouais, soit mais, présent. Mais ouais, ça je l'entends très bien. Attendez, je l'appelle. C'est Monsieur Landers du coup, avis de recherche, je l'avais déposé du coup l'avis de recherche. Monsieur Landers, mais dizaine j'ai un d'excès dossier de vitesse. Sur vous, Monsieur Landers, c'est incroyable. Hein. Et oui, je les sais. Excès de vitesse que vous faites. Je sais. Et nos présences convocation. Je suis désolé. Vous savez quoi? Je suis vraiment désolé et je suis venu de moi-même. Ça vous l'avez oublié de le préciser, Monsieur. Ah mais j'en prends compte, Monsieur Landos. Oui. Je vais appeler le procureur, Monsieur Landos. Et comme je vais bientôt faire partie de la maison, des conducteurs comme vous en aurez bien besoin pour attraper les méchants. Comment ça, faire partie de la maison? Il a dit quoi, partie de la maison, il conduit comme ça? Oui. Vous avez dit quoi, Monsieur Landos? Comme je vais bientôt faire partie de la maison de chez vous, il faudrait bien des conducteurs comme vous. C'est-à-dire de chez nous. HP. Ah oui. Ah mais Monsieur, vous savez qu'avec un casier qui n'est pas vierge, vous pouvez pas rentrer. Mais je suis vierge, Monsieur. Je vous le jure, je suis vierge. Il y a juste un truc qui colle pas. C'est juste mes excès de vitesse. J'ai fait du mal à personne, j'ai tué personne, j'ai agressé personne. En faisant des excès de vitesse à plus de 60 km/h, bah d'ailleurs, procureur, en faisant des excès de vitesse à plus de 60 km/h, le retrait du permis est retiré et un casier est créé. Hein. Oui, non, pas de casier, monsieur. Non, bah, si, avec tous les excès de vitesse, monsieur, sur la tête de ma mère, que vous pouvez pas mettre un casier judiciaire. Bien sûr, monsieur. Mais non, monsieur. Mais l'exception, l'exception, s'il vous plaît. Mais l'exception, vous avez fait ça 10 fois. À vous rendez compte? Mais même si vous avez commis une faute, eux ils doivent pas. C'est lui, monsieur le procureur. Oui, il va venir parler avec vous. Eux, ils doivent pas accepter quelqu'un sans le dossier, quoi. C'est surtout ça, ouais. Il est au téléphone. Voilà. Oh, j'espère qu'il va être clément. Ne vous en faites pas, au pire, à la limite, de toute façon, voilà. Bah oui, monsieur Landersen, ça, je vous avais prévenu. Hein. Toi, tu vas voir, tout à l'heure, je vais t'enlever ton chapeau. Comment ça? Ouais. Je t'ai donné ma main sur un agent. Au revoir. Hop, ouais, bonsoir, procureur. Messieurs. Bon, monsieur le procureur, ici présent, nous avons monsieur Landers, multiple récidiviste. Environ, on a compté 10 excès vitesse à plus de 60 km/h. Donc, monsieur Landers est arrivé aujourd'hui, se présentant pour tout cela. Et bon, du coup, on voulait vous appeler, vu que monsieur Landers a quand même un gros dossier. Wow, avec ses nombreux excès de vitesse, quoi. Bonsoir, monsieur Landers. Bonsoir, monsieur le procureur. Est-ce que vous êtes conscient que actuellement vous avez un mandat d'arrêt à votre encontre? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes conscient que vous avez un mandat d'arrêt à votre encontre? Oui, j'en suis conscient, monsieur, et je suis venu de moi-même. Je remarque et je le prendrai en considération. En revanche, vous comprendrez que votre dizaine d'excès de vitesse n'est pas normal, n'est pas acceptable. Il est vrai, monsieur. Si j'ai fait tout ce... Excusez-moi, allez-y. Oui. Allez-y, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Il est vrai parce que, en fait, comme je travaille dans une entreprise qui s'appelle le Yellow Jack, je viens souvent en retard parce que je me couche tard. Et comme là-bas, j'ai fixé des horaires assez fixes, et quand je suis en retard, voilà, c'est vrai que je fais pas attention à la limitation de vitesse. Et comme l'ont dit les forces de l'ordre, je pourrais mettre beaucoup de gens en danger, des femmes, des enfants, et voilà quoi. Surtout que vous l'avez fait 10 fois, hein. Enfin, c'est... J'entends votre conclusion et les leçons que vous en tirez, c'est tout à votre honneur. Pourquoi nous sommes obligés d'être à la 10e fois, sachant que vous avez déjà été interpellé, enfin, vous avez déjà été convoqué, vous êtes déjà venu, on vous a déjà expliqué. Ouais, c'est vrai, on m'a expliqué. Et depuis, vous avez continué, recommencé et encore recommencé. Oui. Vous l'avez encore une fois de trop. Oui, c'est vrai, on m'a averti et je fais... Enfin, vu que j'ai une voiture de sport aussi, je sais que ça n'excuse pas tout. Non, bien sûr. Mais voilà, je faisais pas attention à la limitation de vitesse et puis voilà.
Et puis, dites-moi, lorsque l'on ne veut pas être en retard, qu'est-ce qu'on fait? Bah justement, bah si on n'est pas trop bon, en retard, on se réveille plus tôt. On se réveille plus tôt, oui. Et on prévient qu'on arrive en retard. C'est vrai. Oui, bien sûr. Mais vous ne roulez pas, ça... je sais pas combien vous rouliez, mais vous ne roulez pas vite comme ça. Oh non, je roule à peu près à 270 km/h et c'est vrai que... C'est énorme, vachement au-dessus de la limite de vitesse autorisée. Hein. Vous connaissez la limitation de vitesse sur une autoroute? Oui. Elle est de combien? Sur l'autoroute? Oui. 130. Oui, ok. Et puis hors de l'autoroute, sur une zone, sur un quartier résidentiel, on est 180? 60, 60, pardon. 60, ah oui, il y a un problème, 60, 60, pardon, 60. À rappeler, 36, si vous voulez bien rappeler à toutes les limitations à monsieur, sur des divers secteurs. Monsieur Landers, en ville, vous roulez à 80 km/h. Ah oui, 80. Ok. Sur une double voie à 105 km/h, une autoroute à oui, 130 km/h. Ok. Oui. En quartier résidentiel, c'est 50 km/h, monsieur Landers. Oui, c'est promis. Voilà. Oui. Voilà. Oui, monsieur. Vous l'avez passé il y a combien de temps votre permis, monsieur Landers? Je l'ai passé il y a quelques. Un bon une semaine. Une semaine, ouais, un truc comme ça. Ok, ok. C'est une femme qui me l'a fait passer. Et en plus, elle m'a dit que je conduisais très bien. Oui. Ah oui. T'as pas eu cette chance, toi. Ouais. Vous me tutoyez. Vous avez pas eu cette chance. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis super longtemps, c'est pour ça que je vous tutoie. Ah bon? Ouais. Ah ouais, je vous connais pas. Moi non plus, je vous connais pas, c'est juste que voilà. On va voir avec monsieur le procureur ce qu'on fait. Ouais, très bien, je vais attendre ici tranquillement. Ah, ils sont sympas. Ils sont très sympas. Ça sert à rien que je fasse mon nerveux, ça sert strictement à rien, parce que déjà, d'une, c'est les forces de l'ordre. Et voilà, je sais que quand ils vont me rappeler à l'ordre, je vais me tenir à carreau. Excusez-moi, le rappel a été fait? Ouais. Bah, je lui ai rappelé limitation de vitesse hein, sur de l'état, sur l'ensemble de l'état de San Andreas. Donc j'espère que le message est passé. Actuellement, vous êtes détenteur de quel permis? De quelle catégorie? Catégorie de permis de voiture. Et là, écoutez, hein, monsieur le procureur, hein, c'est vraiment super bizarre. Hein, parce que avant de penser à moi, eh ben, j'ai pensé à vous. J'allais partir passer mon permis de poids lourd et de moto. Et je me suis dit non, je vais d'abord les voir. Et je me suis rendu les mains levées, attention, les mains levées. Et voilà. Mmh. Ok. Bon voilà, après l'avantage c'est que monsieur Landers, il s'est présenté. Il est venu de lui-même. Mais ça n'enlève pas ce qu'il a fait. Je fais de la fédérale, je rage quitte. A été notifié sur le rapport de l'agent qui a demandé l'avis de recherche à votre encontre que vous disposez d'une arme à feu, est-ce vrai? Oui monsieur, je possède une arme de poing, chargeur rempli. Hein. Et vous avez le PPA pour? Oui monsieur, et je l'ai acheté à l'armerie, je l'ai acheté d'une valeur de 50 000 $. Ah oui, okay. Vous l'avez acheté à la munition? L'armure, oui, munition, ouais. Oui. Quelle est votre situation financière actuellement monsieur? Pardon? Quelle est votre situation financière actuellement? Ouais, je suis à peu près du 20 000, 25 000 euros par mois. Dollars, pardon! Oui, dollars, oui. 25, mais du coup par mois, enfin... Oui. Ah oui, non, mais pas par mois, pardon, merde, je suis con. Hebdomadaire. Ouais. Mais du coup, quelle est votre situation financière actuelle? Qu'est-ce que je fais là? Non, pas ce que vous faites, mais combien d'argent vous disposez? Quel est le capital actuellement? Oui. Alors, la dernière fois que j'ai regardé sur mon compte en banque, j'étais à peu près... Allez, à peu près à 90 000, 100 000 dollars. Au pire, on vend votre voiture, n'est-ce pas? Pardon? Au pire, on vend votre voiture. Pour rembourser, on pourrait vendre sa voiture. Ah oui, mais attendez, parce que j'ai une amende là? Ah bah, vous croyez quoi? Mais attendez, c'est une amende de combien? Bah, c'est ce qu'on va déterminer. Il y a beaucoup, mais je vais déterminer ça. Allez-y. Je m'en occupe. Oui. Après, si vous n'avez pas les montants. Ah, mais attendez, mais. Non, mais s'il vous plaît, avec tout le respect que j'ai pour vous, faites-moi une petite ristourne, hein. Oh, je suis venu. Non, mais bien sûr, je vais le prendre en compte. C'est pour ça que vous n'allez pas prendre la prison. C'est pour ça, n'est-ce pas? Ah, monsieur le procureur, je vous apprécie même si on se connaît pas. Et je suis sûr que nos chemins se recroiseront. Pas ici, hein, mais ailleurs. Dans de meilleures conditions, exactement, bien sûr. Voilà.
Bien sûr, avec grand plaisir. Et du coup, vous travaillez au Yellow Jack, c'est ça? Ouais, et vous savez quoi, monsieur le procureur? Oui. Je ne sais pas, mais je vais le savoir, j'imagine. Eh ben, je suis le meilleur charbonneur. Charbonneur, ça veut dire le meilleur travailleur. Mais vous faites quoi? Je vends du cidre. Vous savez, hier, je vais vous dire, c'est pour vous dire à quel point je participe à l'économie de la ville et de mon entreprise. Hier, j'ai fait 20 runs, vous vous rendez compte? Mais pas, c'est énorme. Ah ouais, monsieur. Et du coup, vous êtes ce qu'on appelle des runners, un runner. Ouais, des rushers, des runners, oui. On rush, on passe à l'attaque. Ok. Donc voilà. Très bien, très bien. 35 000 dollars par semaine, c'est pas mal. Bah ouais. Après, on fait souvent la fête, monsieur le procureur. Moi, vous savez, quand j'ai fini une journée de boulot, j'aime pas rester à la maison. Je vais dans des bars, terrasses, je me pose, un petit verre de coca, et voilà. Très bien, très bien. Bon, dans des bars pour boire du coca, pourquoi pas. Oui. C'est très sage. Excusez-le, veuillez aller un peu sur des honneurs d'ordinateur de quatre qualités. D'après ce que je compte, on est sur 6 convocations, on est sur 2 000 $ l'amende chacune, donc ça fait 12 000 $. Oh putain. Chacune d'amende. Non, 12 000 $ en tout. Voilà, pour une activité, ça a plus de 60 km/h. Bon. Ça va, 12 000 $. En sachant qu'il y a récidive, le problème, monsieur, c'est que là, vous n'êtes plus dans capacité. Est-ce que vous pourrez me dire quelque chose qui pourrait éventuellement faire changer d'avis pour pas qu'on vous enlève vos permis? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ça ne se reproduira plus. Et vous croyez que ça sera suffisant? Non, et c'est pas fini. Oui. Vous savez, monsieur, c'est vrai que j'ai beaucoup de conduite excessive et vous aurez qu'à vous renseigner auprès des EMS. J'ai jamais eu mon nom là-bas, c'est-à-dire que j'ai jamais fait, voilà, il m'est jamais arrivé un truc. Si, il m'est arrivé un truc dans ma vie, dans cette ville-là. Je suis tombé parce que j'ai glissé dans un ravin et je me suis cogné la tête. Mais c'est tout, je veux dire que jamais j'ai fait un accident de voiture. Vous savez pourquoi? Parce que mon objectif dans la vie, c'est de travailler dans les forces de l'ordre. Et dans les forces de l'ordre, on a besoin de bons pilotes. Voilà. Ah, vous êtes policier? Oui. Et Dieu seul sait qu'il n'y a eu aucune fois ma voiture à la fourrière. Alors, c'est pour vous dire. Ouais, mais c'est pas un problème de véhicule ou de pilote, là, c'est un problème là, de casier devoir, là qu'on va avoir. Là, il va devoir, vous allez devoir patienter un petit peu. Hein. Ah, mais je sais, je vais devoir patienter. Mais voilà, c'est pourquoi je roule aussi vite. Mais ça ne se reproduira plus. De toute façon, c'est de votre intérêt, parce que monsieur, je veux dire, si jamais vous êtes à nouveau convoqué, vous aurez à nouveau un mandat à votre encontre, et on vous trouvera, on ira vous chercher, étant donné que maintenant chez vous vous travaillez, et j'en passe, on ira vous chercher, et puis par contre, il n'y aura plus d'aménagement de peine, vous êtes conscient. D'aménagement de peine, ça veut dire quoi? Vous n'aurez plus de réduction en quelque sorte, de ristourne pour utiliser vos mots. D'accord, mais vous n'avez pas fait de ristourne, il m'a dit que je vais aller payer 12 000 $. Non mais monsieur, enfin, on va discuter exactement. Ce qu'on va faire, étant donné que vous êtes venu par vos propres moyens, que vous êtes rendu, et que vous êtes de bonne foi, vous avez assumé vos actes, et que vous êtes conscient du danger vous avez que vu vous mon RP faites courir aux autres... on va non pas vous mettre 12 000, c'est bien ça? Repos. Venez. 12 000, c'est bien ça, 36. Oui, c'est 12 000, ouais. Monsieur Poker. Donc, monsieur, nous, ce qu'on va faire, d'accord, si cela vous convient, bien entendu, de toute façon, si cela vous convient pas, voilà. Hein. Si on va vous faire 50% de votre amende, c'est-à-dire 6 000 $ d'amende. Oh, oui. Et puis pour la prison, je pense que vous êtes déjà resté assez longtemps en cellule. Oui, et ça me plaît pas. J'aimerais retourner à mon travail, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Par contre, dans le cadre où ça viendrait à se reproduire, ça ne sera pas dans cette cellule, mais ça, votre peine, vous irez à la faire ailleurs, dans le pénitencier qui se trouve pas loin d'ici, à Bolingbroke. Bolingbroke, oui. Attends, c'est pas de la fédérale, ça? Si, c'est la prison. Oh non, jamais, monsieur le procureur, jamais. Jamais. Vous savez quoi que... J'irai à mon travail juste en vélo. Ah bah, c'est une très bonne initiative. Ça, c'est une très bonne initiative. Hein. Voilà. Même pour la planète, c'est une très bonne initiative, ça. Du coup, 6 000 $ d'amende pour monsieur, et puis un peu de libérer, 36. 6 000 $, pas de problème. Je procède à l'amendement, du coup.
Allez-y, je vous en prie, je vous attends. Alors, monsieur Lambda, je vais vous ouvrir si vous allez venir avec moi. Hey. Attendez. C'est moins de malin. Tenez bien vos propos, s'il vous plaît, monsieur. Ah, vous allez, je vous ouvre la cellule. Ah, jamais. Attention, hein. Je peux, monsieur le procureur peut vite retourner sur sa décision. Non, c'est vrai, c'est vrai. Allez, mettez-vous dans le bureau, je vous mets l'amende. Allez, je vous la paye directement, d'accord? Bah, ça serait le mieux, oui. Pour éviter qu'on vous arrête la prochaine fois pour obstruction à justice. Oui, monsieur. Attendez, alors je redis ça, laissez-moi rédiger. Alors je vous mets directement l'amende du coup de 6 000 $. Oui. Par contre, monsieur, vous habitez où? Vous demeurez où, monsieur? Alors moi, pour être franc avec vous... À Los Santos, étant donné que vous utilisez l'autoroute. Ouais, mais non, parce que moi, comme je dis, je vais au centre-ville boire un verre. Mais sinon, moi, je vais au Yellow Jack, il y a une caravane derrière, et je dors donc, là-bas. Ok, nous sommes d'accord, parce que vous n'allez pas circuler à vélo sur l'autoroute, hein. Ah non, je vais emprunter les trucs de cross. Ouais, les chemins de terre, oui, ok. Oui. Vous aimez Paris, monsieur? Excusez-moi? Monsieur le procureur, vous aimez Paris? Ça sent pas très bon, donc voilà. Ah bah merci. Merci, monsieur le procureur, le bâtard. Pourquoi? Parce que vous voulez de Paris? Ouais, carrément. Ouais, ça sent pas bon, hein, c'est pour ça, je me disais bien qu'il y avait une odeur. Ah bah, ok, merci. Ah là, il avait marqué un point. Vous me dites pour la facture, monsieur. Si je peux vous la payer tout de suite ou pas. Alors, je vous mets la somme. Donc on est sur du 6 000. Hop, je vous la glisse, tenez. Et voilà. Merci monsieur Landers, c'est bien reçu. Bon, du coup, on n'a plus rien à engager contre vous, monsieur Landers, vous êtes blanchi. Allez. On va le retirer du FPR, du fichier des personnes recherchées. Voilà. Bien sûr. Propre comme un cul. Moi, je confirme ces convocations. Pas comme un parisien, hein. Non, c'est pas si. Ah, ouais, oui, vous pouvez passer par là aussi, c'est mieux ici, c'est comme vous souhaitez. Oh, je suis blanchi, mon pote. Oula. Et hop. Oh, comment je vais partir, moi, 36, ma voiture est bloquée. Ah, on va vous prêter un véhicule. Ah oui. Mais ma voiture, elle est là, hein. C'est juste que j'ai plus... Ah. Elle est bloquée par... Attendez, je vais vous loger. Ouais. Bon, monsieur Nandos, ouais, moi, j'espère ne plus vous convoquer au PDP, hein. Oh non, monsieur, non. On prend le vélo et puis on respecte les limitations de vitesse, s'il vous plaît, monsieur Anders. D'accord, très bien. Voilà. Le code de monsieur Anders, je vous souhaite une bonne soirée. Ouais. Bonne soirée, monsieur Anders. Allez, rentrez bien. Bonne soirée, messieurs, dames. Au revoir, monsieur Anders. Au revoir. Ok, au revoir. Monsieur Anders. Ah, mais attendez, j'ai oublié de prendre mes affaires, moi. Oui, votre sac, c'est ce que j'allais dire. Putain. Bon, je vais les distribuer en vite fait. Mais pourquoi, quand il court, il penche, lui? Il se penche quand il court? Alors, il penche pas, c'est juste qu'il a des kilos en trop, c'est tout. Ah, pardon. On arrête de travail parce que je me sens beaucoup mieux. Mais il était de retour. Bah non, il a oublié son sac. Ah là. Bah c'est moi, j'ai oublié de lui donner, désolé. Je vais le chercher. Tiens, mais il va vous donner la... Hop, moi. Attends, monsieur Landers? Oui. Pourquoi vous avez coupé vos cheveux? Parce qu'on m'a mis une carotte. Carotte. Ouais, parce que moi je traîne avec des gens, on m'a dit ouais vas-y faites cette coupe là, vas-y on va te présenter quelqu'un, on va te présenter une meuf. À la base ils m'ont rien présenté du tout. Votre sac. Attendez, je vais mettre juste mon sac s'il vous plaît. Je vais juste mon sac. Non, je vais mettre là. Et voilà, merci pour mon sac. Après je suis pas un expert, on va pas venir, on va sortir. C'est bon? C'est bon, tout est bon. Pour moi, tout est ok. Après, je suis pas un expert en séduction, mais quand les gens sont chauves, voilà quoi. Mais il y a des gens qui sont chauves, ça leur donne du charme. Hein. Ouais. Il y a des gens. Vous avez trop sous-estimé les gens qui ont pas de cheveux. Hein. Non, mais comme je vous l'ai dit, il y a des gens. Mais ça va pas tout le monde. Attendez, 24.06. Regardez, s'il vous plaît. Vraiment, jouez le jeu. Regardez, moi, vous avez vu ma tête. Vous allez sûrement devoir partir en patrouille, en fait. Faites voir, vous voulez votre chapeau? Ouais, attendez, je sais pas si... Ah oui, normalement, c'est bon. Alors... Faut que je retire là. Bah moi, c'est la coupe de cheveux basique, hein. Ah ouais, franchement, stylé. Oh non, franchement, j'ai rien dit. Incroyable. Wesh, 1-0, balle au centre, vas-y, tranquille. Ok, tu m'as eu, ok, franchement, beau gosse. Bon, allez, la mienne, par contre, M. Landers,
Mollo sur le code. Non, ça y est, premier, on va faire attention. Qu'est-ce que vous faites? On va faire attention. Et pareil pour la donne, on s'arrête à la donne. Non, ça y est, pas de problème. Ouais. Bon, allez. Allez, ça a été un plaisir. Ouais. Bonne soirée. Et pas au soleil sans casquette, hein. Non, t'inquiète. Sinon, ça nous éblouit. Non, je sais, wesh. Les excès de vitesse aussi, monsieur. Non, je sais, t'inquiète pas. Ouais, ils m'ont tous rappelé, ils m'ont dit « Ah, les excès de vitesse !» Allez, maintenant les choses sérieuses vont commencer. Voilà, t'as vu, moi j'ai fait ma peine, je suis tranquille, t'as vu. Voilà, Marc, je recherche un mec, tu pourrais te renseigner et me le trouver. Monsieur, rassurez-moi, vous voulez pas mourir, là? Non, je vais m'écarter, monsieur, désolé. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, là, vous êtes sur l'autoroute, donc j'espère que vous allez pas y aller à pied. Hein. Non, vous inquiétez pas, je vous promets. Ok. Allô? Allô, ça va? Ouais, tranquille. Ouais, tranquille. Excuse-moi de te déranger, je sais pas, est-ce que toi t'as une machine à laver? T'as des chaussettes? Ouais, j'ai 120 000 chaussettes à peu près. 120 000 chaussettes? Ouais. D'accord. Oui. Qu'est-ce que tu proposes? Bah, aucune idée, si tu pourrais me les nettoyer. Après, tu me dis à combien de pourcents? Ok. Vas-y, je te rappelle, d'accord? Et je vais m'occuper de ça pour toi. Dans combien de temps? Ça serait vraiment sympa. Puisque il y a mon petit frère qui est malade, je dois lui payer ses maladies. J'ai tout à vu à l'hôpital et j'ai pas trop les moyens. On dort dans les poubelles et tout, de lui, c'est la galère. Vas-y, ça marche, vas-y. Je te rappelle dans 15 minutes. Merci, c'est sympa. Vas-y, à tout à l'heure. Ouais. 120 000 chaussettes, ça fait beaucoup, hein? Attends, il y a Fivio qui me demande de retrouver une... Oh, Patronne, ça va? Et tout? Ouais, tu sais, je ressors d'où? D'où? Du commissariat. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, je me suis présenté, je me suis rendu. Et tu es là pour tes essais de vitesse? Ouais, et tu sais quoi? Ils ont été très cléments. Ils m'ont même pas enlevé mon permis de conduire. Et en plus, ils m'ont mis une ristourne sur l'amende. Au lieu de payer 12 000 dollars, ils m'ont l'a fait à 6 000. Putain, ces enculés m'ont pas fait ça à moi. Ils m'ont baisé la gueule. Ils m'ont pris mon permis, ces connards de merde. Oh là là. Du coup, je t'appelle pour te dire que tout s'est bien passé de mon côté et que je suis devant le commissariat. Tu pourrais pas... Quelqu'un vient de me chercher? Si, je suis juste en rendez-vous là. Il y a un connard de merde là qui fait chier là. Putain de merde, comment je peux le faire? Tu m'envoies quelqu'un au pire si tu vois quelqu'un là? Ouais. T'es où? Envoie-moi une position. D'ailleurs, j'ai un truc à te demander, Marc. Je l'ai vu. Bon, on en parle là-bas, d'accord? Vas-y, ça marche. Allez, je t'envoie la position, d'accord? Vas-y, ça marche. Vas-y. Mais les gars, attendez. Il veut que je recherche une personne. Mais je travaille pas dans la police, moi. Comment je vais trouver le gars? J'ai pas d'informations. Ton arme, TK, genre sur la vie de ta mère. Mais nique ta race, elle est là, mon arme. Oh, moi, personne touche mon arme. Hey, frérot, tu sais comment on l'appelle dans mon quartier? On m'appelle Gladiator. On m'appelle Gladiator parce que j'ai jamais tort. T'as vu? Non, je rigole, trop cheap. On va attendre ici tranquillement. Ah, ça va. Oh, ah oui, il est là. Ah, vous jouez trop avec mes couilles, hein, les abonnés. Vous avez vu Luna? Ouais, c'est pas mes Luna. On va être en rendez-vous. Ok. Ouais, qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas, il y a une réunion avec, avec le patron et tout. Eh merde, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une bêtise? Bah... je sais pas. Ah, c'est peut-être avec l'autre là qui a commencé à voler nos trucs là. Vous êtes toujours là-bas? Comment? Vous êtes toujours là-bas? Non, ça a pas commencé. Juste, tu serais dispo quand? Bah là, dis-leur que j'arrive. Y'a la patronne? Je sais pas du tout, je sais pas du tout. Juste en fait, elle nous a demandé nos horaires. Là, dis-lui qu'on arrive tout de suite là. Moi j'arrive. Et dis-lui bien. Non, dis-lui rien parce que c'est moi qui va dire les choses. Oh, bah, ouais, ça marche. Vas-y, à tout de suite. Vas-y. J'en ai marre de me faire marcher dessus maintenant. J'ai décidé de porter mes couilles et d'aller jusqu'au bout et de dire les choses, franchement. Patron, pas second, pas. Je vais dire les choses maintenant, j'en ai marre. Je te jure, j'en ai marre. Je vais dire les choses maintenant. Hier, on a trabaché comme des. Vas-y, bref, t'inquiète pas. Rigolez pas! Pourquoi vous marquez MDR? Oh là vous, et même vous là, vous jouez trop avec mes couilles. Eh, vous me prenez pas au sérieux. C'est vrai en plus. Arrêtez de me... Regardez bien. En plus, le cartel, ils vont être trop fiers de moi. Je suis le meilleur bosseur de la semaine. C'est vrai, hein. Hier, j'ai trabajo, hein. Oh. Oui, Marc. Ouais, Leslie. Je vais arriver au îlot dans pas longtemps. Ça marche. T'as pas l'intranet, mais tu seras convoqué d'ici les prochains jours. Ce sera bien ce soir. Mais il faut que Théo et du coup Murphy soient disponibles. D'accord, on a fait une connerie? Non, c'était concernant l'histoire que. Vas-y, ok, ça marche, vas-y, on arrive. Vas-y, attends. Vas-y, on va voir. D'où il touche mes camions, lui. Je te jure, il va. Non, personne qui touche mon camion. Là, mais rigolez pas, je rigole pas. Hein. Putain, Fivio, s'il te plaît, frère. Voilà. Ouais, Fivio, désolé. Y'a quelqu'un qui arrive ou pas? Si, il t'a appelé, non? Non, vas-y, ok, tout de suite. Mark Anders, c'est une grosse victime, personne te respecte, arrête de faire le fou, retourne pleurer MDR. Frérot, la tête d'honneur, tu m'aurais dit ça en face de moi. Tu vois, ta tête, c'est l'équivalent d'un iPhone 12 Pro, d'accord? Je t'aurais marché dessus, mon pote, je t'aurais transformé en iPad, c'est bon? On va venir me chercher. Eh, vous dites victim Landers? Oh putain. Vas-y. Vous voulez jouer à ça? Là. Voilà. Si, voilà. Oui, voilà. Fivio m'a dit de venir te chercher. Oui. Là, je vais pas t'alder, je suis à 4 km. Ok, à tout de suite. Claro, à tout de suite. Eh là, si je veux, je vous fais taire. Si je veux, hein. Vous voulez qu'on joue à ça? Vas-y, ok. Bon. Eh, je rigole pas, hein. La tête de mer, je rigole pas. Là, tout de suite, là. Parce que vous gazez avec moi depuis tout à l'heure, alors que moi, j'ai rien fait. La provocation, ça vient de vous. Vous me faites tous des cœurs dans le chat. Faites-moi des cœurs dans le chat. Oh, faites-moi des cœurs dans le chat, sans jouer. Wesh. Voilà. Faites des cœurs. Bande de chiens. Vous êtes ouf ou quoi, vous? Ouais, je rigole avec vous.
C'est pour le grand. En plus, on m'en a fait des cartes, c'est gentil. Ah, c'est gentil. Ah, j'ai eu des cœurs, hein. Eh, t'as vu, hein, si je veux, hein. Et sans être ultra méchant. Hein. Il arrive dans 4 km. Ça se dit, c'est que, ouais. Il faut que je retrouve un gars. Kilomètres, je sais où ça. J'espère qu'il, qu'il carbure, hein, c'est ton deuxième. Merci beaucoup frérot pour le Neprox, merci beaucoup. Merci infiniment frérot. Je commence à avoir faim les gars. J'ai vraiment faim. Ouais, j'ai passé mon temps au commissariat. Mais attends, j'ai une curiosité, savoir qui c'est qui me demande de rechercher. Ouais, pourquoi il me demande le taf à moi? Je sors pas ton arme, j'avais dedans. Il te fait confiance. Ah bah ça... Ça sent plutôt la rôtisserie. Oh putain, j'ai envie de manger... J'ai envie de quoi là ce soir? J'ai envie de manger... J'ai envie de manger un gros steak. Un bon gros steak avec de la moutarde par-dessus. Hola hola. Voilà. Attends. Merci beaucoup Keno. Mais c'est vrai que les cheveux, ouais, si. Dis-moi, je suis vraiment désolé de te déranger. Tu vas bien? Ouais, ça va super. Ça me fait plaisir de te voir. Dis-moi, y aurait possibilité 30 secondes d'aller au Yellow Jack. Yellow Jack. Ouais, j'en ai pas pour longtemps. Il faut que je règle une histoire. Et après, on va chez le patron. Si, claro. Je vais passer par là parce qu'il y a les douanes là-bas. D'accord, très bien, allez-y. Vous allez voir que le chef va être content de moi. Si, ouais. Folké. Bah, tu sais, ça fait longtemps que je travaille au Yellow Jack. Si. Et je suis le meilleur bosseur de la semaine. Incroyable ça. Hier j'ai fait 20 runs. Baldon. 20. Ouais, 20. 20, c'est un record. Ah ouais, t'es un travailleur. T'as déjà vu quelqu'un faire 20 en une journée? Non. Eh oui, moi j'en ai fait 20. Et voilà. Ah claro, ah oui, donc là, ça va te récompenser, non? Ça va faire beaucoup de plata, ça, à ton avis, non? Ah oui, seulement. Sans compter les primes. Ah là, c'est plus une prime, là, il faut une médaille avec. Il va te donner une coachée, il va te faire la cadeau, non? Non, ça va, elle est super sympa. En plus, ma patronne, enfin mon patron, c'est une femme, donc c'est cool. Je m'entends super bien avec elle. C'est une patronne. Ouais, elle me fait très confiance, ouais. Ouais, parce que, tu sais, l'autre, il est décédé. Donc voilà. Il y a du monde là-bas, à la maison? Si, là, on était occupés, c'est pour ça que je suis venu tout seul en express, mais sinon, si, ouais, comme d'habitude, hein, la famille, hein. Ouais, ok. Ils avancent pas ici, hein. Ouais, ils avancent pas, ouais, bien vu. Ouais, je suis ressorti du commissariat, ils m'ont fait beaucoup de fleurs. J'étais recherché, ils m'ont pas retiré mon permis, et sur les 12 000 $, ils m'ont fait une ristourne de moins 50%. Oh, ça va. Ouais, ils m'ont mis bien. Après, j'étais très compréhensif. Hein. Après, moi, je me suis rendu de moi-même chez eux, t'as vu? Ah, si. Moi, faut que j'aille aussi. Ils m'ont convoqué deux fois, là. Mais la dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont mis en garde à vue. Ils m'ont mis des amendes. Ça donne pas envie d'y aller, en vrai. Eh ben, franchement, ça se trouve, si je t'emmène, moi, tu sais, par la peau des fesses, enfin, avec le respect que j'ai pour toi, tu vois? Incroyable. Ils vont te faire une fleur, peut-être.
Ouais, j'ai envie d'y aller, c'est pas trop mon truc. On est bientôt arrivé, c'est cool. Je vais juste régler quelques... Oula. Il est énervé, lui. Il est énervé, ouais. J'ai quelques affaires à régler, parce que j'ai pas envie de me laisser faire. J'ai décidé de plus me laisser faire. T'as raison, ouais. Pas se laisser faire, hein, ici. Sinon, ils vont te manger, les gens. Ah, c'est ici, voilà, à gauche. Là. Ah, c'est parfait, c'est la famille. Ouais, galère dans le sable à côté. Hop. Ouais. Alors, vas-y, moi, je vais fumer une petite cigarette. Vas-y, reste bien dans les parages au cas où. Hein. Si, pas de problème. Merci, Leslie, à plus, à la prochaine. Salut, bisous. Salut, Marc. Re, Leslie. T'es avec qui? De quoi? T'es avec qui? Comment ça, je suis avec qui? Le monsieur avec les lunettes. Bah, c'est... C'est ton manager. Ah, c'est okay. Le manager, wesh. Ouais. Ok, désolé. T'as vu, j'étais là hier. Désolé. Non, mais hier, j'avais pas de cheveux, hier. Ah. C'est vrai, par contre, tu nous as fait quoi? Tu nous as fait une implantation, là? Ah bah écoute, on essaye des trucs, hein. Bon, du coup, je vais vous demander de me suivre. Oui, Leslie. Voilà, groupe tard les années 80, là. Eh, oh, ça te dérange? Non, t'es beau comme ça. Voilà. C'est fini, vous deux, là? Vas-y, Murphy, passe. Ok, très bien, donc je vais vous laisser vous merci installer beaucoup, j'aime le plan. Tu fais canapé. Le furieux avec ton bandana. On va pas dans le bureau. Juste une petite chipo. Oh non, 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 on va se mettre là, t'inquiète. Oh, mais je sors pas le bureau. Non, non, le bureau... Moi, Leslie, bref, non, rien. Tu restes debout? Ouais, je vais rester debout et je vais pas, okay. Et je vais pas rester longtemps ici. Ok, ça marche. Du coup, donc on va faire rapide. Ouais. J'aimerais que du coup, donc Marc ou Théo m'explique ce qui s'est passé. Moi, c'est super simple, Leslie. Mais écoute, moi, j'aime pas faire les choses comme ça. C'est que Théo et moi, on fait une très bonne organisation. Mm-hmm. Et ça, tu le sais très bien. On fait en sorte de rattraper tout ce qui a été perdu. On te l'a expliqué, tu vois. Depuis qu'on a perdu notre cher Calvin, on s'est promis de remonter toute cette pente. Moi, j'ai cette impression que depuis Calvin est parti, les gens n'ont plus forcément la même force de travailler qu'avant. On est totalement d'accord. La même motivation, la même motivation. Et nous, cette motivation, on veut, tu vois, on veut toi, surtout toi. En gros, la pression, elle est sur tes épaules, Leslie. Et nous, on veut juste t'alléger. Tu vois ce que je veux dire ? On veut t'alléger en faisant du taf, en bossant comme des malades, etc. Maintenant, si nous, on nous bloque, on nous prend des camions à côté, c'est pas cool. On peut pas le faire, du coup. On peut pas travailler sérieusement. Je peux comprendre. Du coup, Murphy, est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît ? Je t'explique ça tout de suite. En fait, ça fait quoi? Ça va faire 4 jours que j'ai commencé à travailler, comme tu peux le savoir. Mmh. Et 2-3 jours de suite, je me fais interpeller par ces messieurs, on va dire, qui m'ont menacé de voler, comme quoi j'avais volé leur camion ou je sais pas quoi. Je me dis encore une fois, ça passe. Mais la deuxième fois, je me fais interpeller par des mecs en voiture en blanc. Oh, frérot. Je me dis, il y a un problème. Je me dis, je sais pas si c'est moi le problème. Il faut me le dire si c'est dans le cas. Mais bien sûr, frérot, le problème, c'est qu'en fait, nous, on était là toute la journée et toute la soirée et on t'a pas vu une seule fois. La seule fois on te voit, t'es avec un camion, t'es déjà en train de vendre. Dis-toi que ton run, hein, je l'ai calculé, hein, tu l'as fait en moins de 30 minutes. Je l'ai calculé, hein, ça tu pourras soit pas mentir là-dessus. Attends, Théo. Est-ce que quand tu m'as vu, je t'ai dit que j'allais quand travailler ou parti, pas quand t'es parti, quand t'es revenu, non, 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 mais non, minutes. Non, écoute-moi. Quand je suis venu, je t'ai dit que j'allais travailler ou pas. J'ai pris le camion tout vraiment, neuf. Tu veux vraiment que je te dise? Tu veux vraiment que je dise ce vas-y, que vas-y, dis-le moi. Vas-y. Regarde. T'es parti, t'es venu à côté de moi. Moi, j'étais en train de vendre tranquillement mon camion. Donc là, j'étais à l'avant. Tu me dis, ouais, viens, je vais travailler tout ça. Donc là, tu pars de l'autre côté. Je sais pas qu'est-ce que tu fais. Tu reviens. Tu prends un camion. Je sais pas qu'est-ce que t'en as foutu. J'ai fini ma vente. Je pars récolter un autre truc. Et là, je sais pas d'où tu sors, tu reviens et t'es déjà à la vente. Moi, personnellement, frérot, je t'ai pas croisé dans mon chemin de la route. Hein. Mais c'est normal, moi aussi, je t'ai jamais croisé, même si je t'avais jamais croisé.
Vas-y, moi, comment on fait alors? Moi, tout ce que je sais, moi, je t'ai pas croisé une seule fois. La seule fois où je te croise, t'es là en train de vendre. Je dis, wesh, il vient d'où lui? Eh les gars, faut comprendre aussi, je suis nouveau. Je suis là, je fais tout pour travailler. Ouais, mais ça, c'est une chose. Nous aussi, on a été un nouveau. Nous aussi, on a été nouveau. Mais frérot, dès qu'on est nouveau, je sais pas, on nous voit dans le trajet, etc. Ouais, moi, ton camion, la tête de ma mort, je l'ai pas vu, c'est bon? On t'a vu une fois, deux fois, moi, je t'ai vu. Je t'ai vu une fois quand t'es parti et une fois quand t'as vendu. Moi, bref, moi, je vais pas chipoter pour un camion. Moi, tout ce que je sais, voilà, c'est juste, ça nous a un peu gêné. Maintenant, moi, perso, je te laisse le bénéfice du doute. Si tu me dis que t'as pas pris de camion, c'est bon, vas-y, on s'excuse. Mais juste, ouais. Voilà. Non, pas de problème. Moi, en fait, ce que je voulais, c'est. Je voulais pas être mauvais avec quelqu'un ici. Moi, je suis là, je fais mon travail, je pars, c'est tout. Alors, par contre, j'ai une question à vous poser. Bon, après, c'est peut-être pas vous. Mmh. Qui a garé un camion du Yellow avec 60 cidres secs il y a environ 3 jours? 3 jours, on n'a pas commencé. On a pas, non, c'est pas moi. Non, moi, j'ai toujours le plein et je les vends toujours, moi. On a commencé hier soir. De toute façon, t'as pris la photo. Okay. Non, parce que 60 cidres, c'est toujours de l'argent. Clairement, je me suis pas pris la tête. J'ai rangé le camion. Donc, si la cargaison. Non, vas-y, y a pas de problème. Si ce qu'il y avait dedans était perdu, c'est pas mon problème. Non, y a pas de souci. Oui, t'as raison. Ensuite, la prochaine fois que j'entends des échos de ce genre de soucis. Je pense qu'il y aura des sanctions. Clairement. Ok. Ça marche. Donc voilà. Je veux plus entendre ce genre de problème, etc. Du coup, Murphy, donc Marc et Théo, travaillent tous les deux ensemble. Ils sortent à peu près 2, 3, voire 4 camions des fois en même temps. Ouais. Ils les gardent derrière ou devant. Personne n'y touche. Ouais, de toute façon, en plus, d'accord. Je fais exprès de bien préciser tous les jours dans la discussion qu'on ne touche pas les camions fermés. Et il y en a encore qui sont capables de les prendre pour faire des runs. De toute façon, même aujourd'hui, quand je suis venu faire un run, tu peux demander à... Comment il s'appelle le monsieur en face? Marc. Enfin, ouais, Marc. Je lui ai demandé si je pouvais prendre un camion. C'est lui qui m'a dit de le prendre même aujourd'hui. Ouais, c'est moi qui ai dit prends-le parce qu'il y avait un. Aujourd'hui, maintenant, je demande de parce que si je demande pas, on va dire que non, je vais voler. C'est juste qu'on a trouvé ça suspect. Nous, voilà, nous, on charbonne comme des yinches. C'est juste que voilà, quand on charbonne, on veut pas que notre travail soit. En fait, je t'explique. Nous, on charbonne. Tout ce qu'on fait, c'est tout calculé. Et dès qu'on voit, par exemple, un camion moins, on est perdu. Tu vois, ça nous bloque. Non, mais même, c'est votre travail. Donc, vous bossez pour être payé pour ça. Donc, personne n'a à prendre votre camion. Tout simplement. Est-ce que dis-toi qu'à cause de ça, comme on a perdu 30 minutes, ça veut dire un run. Bref. Ouais, c'est vrai. Leslie, avec tout le respect que j'ai pour vous, je suis vraiment désolé, je dois partir. En matin. Oh, il n'y a pas de souci. Et Leslie, on a combien de runs au total? Là, on en a 31. Là, actuellement. 30, du coup, vu qu'on n'a pas fait le dernier. Ouais, moi, j'ai calculé, j'en ai 7 en moi tout seul. Là, on en a calculé 25, faut qu'on continue. Faut qu'on continue les. Bah, tu sais, les 5 nouveaux là, qu'on a vendus. 25, sans compter les restes qui n'ont pas été comptabilisés, Leslie. C'est ça, ouais. C'est ça, faut que vous les mettiez. Les nouveaux, là, tu sais, celui okay, que c'était Théo, la galère. Là. Ok, Théo, je compte sur toi pour le faire, d'accord? Ouais, t'inquiète. Okay. Juste avant que tu partes, Marc. Oui, désolé. C'est la première et dernière fois que je te vois sortir une arme face à un employé, t'as compris? Je t'ai vu la dernière fois. C'est noté, chef. Je veux bien être cool, mais ça, doucement. Très bien, c'est noté. Merci. Pas de problème. Je peux disposer? Sur ce, oui, vous pouvez tous y aller. Ça va. Merci. Bah, bonne soirée aussi. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Oh, c'est une merde. Voilà, ça c'est réglé. Oula. Ça c'est réglé. Victime? Non, pas du tout, c'est mon boss, frérot. Je prends pas les gens de haut, hein. Eh ouais. C'est ça aussi, ouais, ça. Ouais, ben, je suis désolé. Tu parles là. Où tu veux. En plus, tu les pompes pas au téléphone. Je suis désolé, je te demande pardon. Parce que je te vois pas le deal, après, tu les pompes pas. Je vais DM, il y a personne. Non, je suis désolé. Non, pas de problème. Allez, on y va. C'est parti. Je vais juste passer un coup de fil avant. Eh, me dites pas victime parce que la vie de ma mère, je vais descendre de la voiture et je vais aller le revoir. Si, voilà. Je suis avec Malte que là.
Je l'ai emmené au Yellow parce qu'il voulait régler un truc. Vous êtes rentré là? Si. Ah, vous êtes comme ça envers okay. moi. Vas-y, tranquille, rien. Claro. D'ici combien de temps? Attendez, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Si, claro. Si, claro. Bah, je vais voir. Si, pas de problème. Gracias. Alors, ce qui se passe, c'est que là, je sais pas si t'as des petits trucs à faire, mais là, ils sont encore occupés pour le... au moins une demi-heure. Non, mais non, y a pas de problème. Bah, attends, je vais... pas de problème, je vais appeler quelqu'un. Voilà, si tu veux, je t'emmène quelque part en attendant, je te dépose ou quoi, et après, je te le gilet. Je vais... Oh. Tu préfères aller vers le sud ou le nord, toi, déjà? Vers le sud, ouais, peut-être vers le sud, ouais. Vers le sud, ouais. Ça travaille dur aussi. Merci beaucoup, Nicala. Oui, désolé. Oui, Luna, je suis désolé, je te demande pardon. Ça va? Non, ça va pas. T'es où là? À l'hôpital. À l'hôpital? Ouais. L'EMS du nord, enfin au sud, ouais, là ouais, je vais aller en tôle. Pourquoi tu vas aller en tôle? Je vais choper. Pourquoi tu vas aller en tôle? Bah, je vais choper. D'accord. Je vais venir te voir. T'es blessé? Non, enfin, j'ai passé le pare-brise, mais. C'est bon, le médecin m'a aidé et. Là, je vais aller en garde. D'accord. Et est-ce que l'hôpital, ils vont te garder ou pas? Non, je crois pas. Monsieur, excusez-moi. Vous savez quand les policiers viennent me chercher ou pas? Vas-y, tu peux y aller. Ok, ça va. Ouais, je regarde des GPS, petit truc. Je vais les attendre, alors, merci. Luna, ouais. Tu penses que j'ai le temps de venir te voir? Tu vas faire de la tôle comme ça. Tu passes ton temps en tôle, tu passes... Direction l'EMS, à côté du parking central, tu me laisses là-bas, après je laisse faire tes affaires. C'est pas de problème. Les chicas, hein. Ouais, chica, passe plus de temps en prison qu'avec moi. Pas de problème, ça. Et qu'est-ce qu'elle fait, là, pour aller en prison? Je sais pas, justement. Pense quoi de la nouvelle couleur de cette coachée, Almano? Tout le monde la critique. Moi, je l'aime bien. Elle est originale. Couleur pêche. J'aime bien l'original. C'est pas une couleur qu'on voit tous les jours en ville. Moi j'aime bien. Si, c'est ça. Le GPS, je failli me tromper. On est où? Putain, c'est là? Non, c'est où? Incroyable. Ah, trop de route ici. Ah, c'est là. Ouais, du coup, ouais, je vais te déposer à l'hôpital et après, de toute façon, on te le dit quand c'est bon. Ouais, ça marche. Pas de problème. Alors là. Si. Ouais, y a du monde, hein. Ouais, y a du monde, c'est parfait. Tac, merci infiniment, je te souhaite bon courage. Pas de problème, si. Bah, t'as l'air, hein. Toi, bon courage à toi, merci, là. Merci, ouais. Au nord. Tu sais, je vais prendre la faction, je vais la ranger en garage, hein, je la laisse pas.
Bah je l'ai pas, je l'ai... Je sais pas, je m'occupais de lui, je l'ai... Elle arrive à l'hôpital directement? Je lui ai dit j'étais avec. Vas-y, vas-y, c'est carré. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est... Bonjour, je me permets de vous contacter, PA, oui, c'est ça. Moi, fort. Vas-y, on va aller le voir, j'espère, c'est pas trop grave, attends, je vais voir. Bonjour, monsieur, on peut vous aider? Moi, fort. C'est nickel. Bonsoir, monsieur, je peux vous aider? Non, non, tout va bien, je suis vraiment désolé. Très bien. Non, c'est pas besoin de se moquer. Eh merde, allez, je prends ma voiture, je vais la chercher. Enfin, du moins, j'essaie de lui parler. Ah oui, merde. Allez, décroche, je vais pas te bouffer. Allô? Oui, allô? Oui, vous allez bien? Oui, vous avez essayé de m'appeler? Enfin... Oui. Oui, dites-moi. Oui, pour vous parler de ce qu'on avait parlé la dernière fois... Ah, dites-moi, on a parlé de plein de choses, monsieur. Vous voyez très bien de ce que je veux dire. D'accord. De ce que vous m'avez avancé? Exact. D'accord. Vous avez le reste? Oui. D'accord. Vous voulez... Et du coup, si c'est possible de se mettre un petit rendez-vous dans la soirée. Est-ce que vous pouvez d'ici 10-15 minutes? Oh, un petit peu plus, j'ai un petit rendez-vous avant donc. Genre, à quelle heure? D'ici une heure, ça vous va? Bon, une heure. Ça fera un peu tard pour moi, je pense, monsieur. Ok. Une demi-heure, ça vous va? C'est très bien. Ok, parfait, je vous envoie une pause d'ici une demi-heure. Je compte sur vous, à tout à l'heure, monsieur. Pas de soucis, à l'heure. Excusez-moi. Oh, bon, ok. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ce que je peux pas vous dire. Toi, vas-y, excuse-moi. La roue, la roue aussi. Oh, wow. Belle voilà, tête de crâne chauve là. Ah, sa tête. C'est quoi comme moto, ouais. Ça? Oula, oula, oui. Wow, wow, wow. C'est une moto de course, monsieur. Tout, tout, tout. La moto de 3 mètres. Ça avance à combien à fond ça? Ça a 280. Ah, faut pas avoir des bras, faut des vélins. Comment ça se fait que c'est longue la moto là? C'est une voiture de course, monsieur. On dirait. Faut pas que ça lève, tu es imbécile ou quoi? Parce que si tu raccourcis la moto, il va accélérer, il va se téléporter au Pérou. Ah, ouais, ouais. Double pot d'échappement, voilà. Et voilà. Montrez-moi un peu les ruptures là. Mm-hmm. Tiens, tenez, je vous la prête, monter dessus, monsieur. Moi, tu vas me prêter ça, wow. Je vais mourir, là, vraiment. Allez, Odolo, monte avec moi, vas-y. C'est sûr, hein? Allez-y. Non, je monte tout seul, j'ai seulement ma vie pour moi-même, quoi. T'as un enfoiré, vas-y, viens, je rentre avec toi. Vous êtes sûr, monsieur, que vous n'allez pas avoir des problèmes d'assurance, hein? Allez-y, juste faites attention, je vous fais confiance, hein. Vas-y, go, viens. La confiance, c'est quoi le dialecte confiance? Ok. C'est où l'accélérateur? Oh, tu veux pas me laisser conduire? Ah non, si vous avez... Allez, go, doucement. Attends, doucement. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? On part face-moi. Vas-y. Bon, juste avant, ils parlaient de drogue et d'alcool, je sais pas, ils ont pas bu, hein. Ouais, j'espère bien, et j'espère surtout qu'ils vont me la ramener, hein. Ouais. Là, ça va être un peu chaud. Mais ils sont partis loin, là. Ouais, ils vont revenir, je pense, ils vont revenir. Oui, je fais vite. C'était juste pour voir... C'est juste pour faire un peu champ d'action, un peu. Mais ils vont me la ramener. Ah, c'est bon, ils arrivent. Allez, Luna, s'il te plaît. C'est une machine de guerre, c'est une machine de guerre, c'est sûr. Merci. Oh, j'ai même pas eu le temps de voir les feux rouges là, vraiment. C'est pas normal. C'est gentil. Ouais, franchement, ça coûte combien, non? Un bon mal, hein. Ça coûtait à peu près 1 million, celle-là. Quoi? Ouais. T'as dit quoi? 1 million. Un quoi? Un million. Un million. Oh là,
Ça fait 6-0 quoi. Ah. Exactement, monsieur. Non, c'est trop. Wow, c'est l'argent. Voilà. Comment tu as fait l'argent quoi? Ça, on travaille dur, monsieur. Allez, je vais acheter ça vraiment. Je dois vous laisser, je vais commencer par une petite mobilette. Hein. Bah, j'espère bien. Mais... il y a toujours un début à tout. Je dois vous laisser, monsieur. Je suis désolé. Ouais, au revoir, madame. Ouais, va, au revoir, monsieur. Sur la vie, hein. Bah, c'est tout. La prison du Nord, c'est laquelle, la prison du Nord? Range ton arme. J'ai rangé. Tac. La prison du Nord, c'est où la prison? Ah, c'est ça. C'est celle-là? Plus haut? Ici, là? Notre cran? Là? C'est ici? Ah, là, là où j'étais tout à l'heure? Là? Oui. Au-dessus? Non. Le nord, c'est là-bas. Là? Fils de pute, va. Non, pas que je me fais arrêter. Ah, j'ai peur. Oh là là. 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 Putain, je suis con! Je peux pas rouler vite. C'est bon, c'est elle. Je suis la voiture.
T'es trop près, TK. Bien vu, c'est vrai, hein. Mais moi, je suis vraiment non. Parfait, parfait, monsieur. J'ai perdu. Allez, je lâche pas. Hein. Bonsoir, monsieur. Soir. Je suis vraiment désolé de vous déranger. La personne que vous avez ramenée, c'est mademoiselle Luna. Je peux pas vous dire qui on a ramené, monsieur, c'est confidentiel. Je suis sûr que c'est elle. C'est ma petite amie. Mais je peux pas vous divulguer le nom de l'individu qu'on a ramené. D'accord, ok. Je suis désolé. C'est pas grave. Si vous souhaitez venir faire une visite à un individu en prison, vous pouvez, par contre. D'accord, je peux faire ça à partir de quand? Bon, là, on est en train de faire leur dossier, etc. Je vous dis dans 10 minutes. C'est vrai? Ouais. D'accord. Bah, je suis prêt à attendre, alors. Ok. Oh. Bah, je vous laisse attendre sur le parking. Attendez à l'accueil, là-bas. D'accord. Mais vous pourrez me faire signe? Ah, mais je reviendrai vers vous, vous inquiétez pas. J'attends là-bas, très bien. Oh, c'est pas elle, non. Non. Oh, faut que je joue RP, putain. Je vais tomber sur un mec et la grosse honte de ma vie, putain. C'est pas grave, putain. Putain, le pire c'est que je vais attendre ici et je vais me retrouver avec un mec. Mec, il va se dire quoi? Me dire t'es qui toi? Oh oui. Oui, allô? Allô? Ouais. Ils t'ont laissé passer un appel? Non, je suis sorti. T'es sorti d'où? Bah de la prison. Mais je te vois pas. Mais attends, t'es à quelle prison? Ah bah moi. Je suis à la prison du Nord en 3004. Tu bouges pas, j'arrive. Ok, je suis avec Abby aussi. Hein.
Ah merde. Bon, vas-y. Je te parle d'un truc. Allez, j'arrive. 30-04 Donne-moi une position, vas-y. Donne-moi une position. 30-04, mais. Faut que je te raconte un truc mais oui, important. Mais moi aussi, faut que je te raconte plein de trucs. Vas-y, viens. Okay, envoie-moi la position, vas-y. Vas-y, c'est bon. Vas-y. Putain, j'allais attendre comme un con ici, là. Imagine si JP derrière. Elle t'a trompé. Non. 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 Allez, la position. Ah. Ah, mais je suis à côté. Le stop. Et me dites pas que j'ai pas fait de progrès, hein. C'est ça. Attendez, ça tombe cramé chez moi là. Désolé, non, c'est Kini qui se faisait à manger. Oui. Oui, désolé, j'étais en zonze, dis-moi. Mais oui, mais je cherche pas toi, moi je cherche Luna. Ah bah elle est avec moi. Bah elle est où? Pourquoi tu m'as appelé? Tu m'as pas appelé? Si, mais vous êtes où? On est au nord. Mais ouais, mais j'y suis moi, je suis dans le commissariat là, il y a un monsieur qui attend. Ah merde, on est derrière là où il y a les masques, la boutique de masques. Ok, ok. Mais elle joue avec mes nerfs, Luna. Elle a cru que j'étais un coin-coin ou quoi? Eh, n'oubliez pas que je suis un mec viril, moi. Je suis un mec qui a de l'autorité. C'est qui, wesh? Allez, je fais demi-tour.
Tu comprends, Luna, pourquoi je voulais pas te voir? Non, mais c'est pas drôle. Oh là, ils m'ont rasé les cheveux, arrêtez. Si tu veux, il y a une boutique de masques à côté, va te mettre un truc sur la tête. Hein. À ce moment-là... Tu vas attraper froid. Hein. Luna, tu me trouves comment, ça? Non, mais il y a un dicton qui dit que caresser un chauve, ça porte bonheur. Ça porte bonheur. Le faire, voilà. Pardon. Et toi, Luna, tu me caresses pas les cheveux, le crâne? Non, j'ai peur. D'accord, vas-y, tranquille, vas-y, bref. C'est rien. Bon, dis-moi, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui vous arrive, toutes les deux profs, vous êtes au commissariat? Refus d'obtempérer. Et voilà. Et voilà. Vous jouez. C'est pas grave, j'ai chopé le numéro d'un flic. Rien à foutre. Tu vois? Oui. Regarde, je vais faire la différence entre vous et moi. Moi aussi, je ressors du commissariat. J'étais recherché pour excès de vitesse. Ils m'ont pas enlevé mon permis. Et sur mon amende, ils m'ont mis moins 50%. Mais attends, c'est les soldes ou quoi? Mais t'as fait quoi, là? Moins 50% sur votre amende. Mais non, mais c'est pas drôle. C'est pour vous dire qu'il faut toujours coopérer avec les flics. Mais on a coopéré. On a coopéré. Hein, ouais, coopéré, ouais, d'accord. Non, pour de vrai, en plus, j'ai chopé le numéro d'un flic. D'accord. Juste parce que je chantais dans la cellule. D'accord, ok, très bien. Et là, vous allez faire quoi? Bah rien. Moi, enfin, je sais pas. Récupère tout ce que j'avais sur moi. D'accord. Bah, tu l'as récupéré quand, Luna? Mais en fait, j'ai fait des affaires avec un EMS qui est venu me chercher parce que j'ai simulé que j'étais en train de mourir. Ouais. Pour qu'un EMS vienne me chercher, et dans la voiture, je lui ai dit écoute, faut que tu m'aides. Et du coup, il m'a sauvé parce que sinon, là, je serais en zonze. Mmh. D'accord. Et là, vous allez faire quoi? Il vient de te le dire, putain. Il t'a pas écouté. Il m'a pas du tout écouté. Marc, on t'entend pas si jamais tu parles. Non, je suis là. Bon, très bien. Mais là, du coup, vous allez récupérer vos armes, c'est ça? Enfin, vos trucs, pardon. Vos affaires. Moi, ouais. Oui. Abby, elle a rien donné. D'accord. Bah, vas-y, bah, viens. Tu t'emmènes. Tu viens? Bah, mais je sais pas où il est. À la casa. Vas-y. Et explique bien que c'est à cause de toi si on s'est fait choper. Ouais, bah, il avait pas qu'à être au milieu de la route, m'en branle. Non, tu leur dis bien. Parce que sinon, ils vont encore me descendre au moment. Ah ouais, non, mais oui, c'est moi. Mais de toute façon, je m'en bats les couilles, c'est les Italiens. Allez, bisous! Bon. Ouais, faut que j'appelle le... Putain, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu depuis que j'étais. En fait, la dernière fois que je t'ai vu, je suis partie en prison. Je te revois, je suis. Mais oui! Et surtout, cache ta joie pour me revoir. Putain, je pensais que tu serais contente. Non. On va remettre l'église au milieu du village. Tu m'as abandonné l'autre jour. Je t'ai pas abandonné. Si. Tu sais pourquoi je suis pas venu? Regarde, c'est pour cette raison-là. Tu vois, t'as vu ma tronche? Pour ton crâne chauve, là, tu vas me dire que t'es allé chez le coiffeur au lieu de me voir? Mais, pour faire cette coupe en plus? Mais non, mais je l'avais fait avant, tu vois, et je voulais pas que tu me vois comme ça. Je voulais pas laisser pousser mes cheveux. Ouais. Oh. Bon, je t'emmène quelque part. Tu veux aller où? Je sais pas. C'est pas parce qu'il y a un gardien, tu peux pas marquer de but, Marc! C'est un raconte. Putain. Désolé, je sais pas, je peux t'emmener te changer. Ouais, vas-y. Allez, vas-y. Putain, ça va être la merde, là. Mais non, mon dame. Si, il va falloir... Mets-moi une position et je t'emmène quelque part. Oh non. Oh non. C'est bon, désolé. Bah, tu m'as frappé? Non. T'es sûr? Ouais. Pourquoi je me suis retrouvé au sol avec toi? Non. Pas au sol, moi. Mmh. Ah, on a mangé en même temps. Ah, c'est fou, je pense qu'on est fait pour être ensemble. Vas-y, mais abuse pas toi non plus. Tiens, je te parle sincèrement. T'as eu la couche que tu rajoutes. En plus, c'est même pas sincère. J'attends des excuses. T'attends des excuses de moi? Ouais. Je te présenterai mes excuses le moment venu. C'est pas le moment et pas l'endroit. Allez. Ok.
Non, en fin de compte, j'ai pas envie que tu te changes. J'aime bien quand t'es comme ça. Ah non. Ah ouais. Non, t'as une arme sur le côté. Non. Mets une position et je t'emmène. T'es sûr que tout va bien? Ouais, ça va. Là, je suis un peu dans la merde, j'avoue. Je peux te poser une question après? Ouais, dis-moi. C'est ton klaxon, ça? Non, je crois pas, non. Ah, ok. Mais dis-moi, c'est quoi ta question? Je vais te la poser une fois que tu seras changé. Ah, ok. Merci. Vas-y, je t'attends. Allez, je t'attends. Ouais, je vois pas qu'elle a rencontré un autre mec. Oui. Allô, ouais, allô Landers. Oui. Oui, excusez-moi de vous déranger. Vous êtes actuellement dans le nord ou dans le sud? Dans le nord, pourquoi? Parfait. Je vous envoie une poste dans le nord. Ah, il m'a raccroché au nez. Non, je suis là. Ah, ok. J'ai cru que vous m'aviez raccroché, excusez-moi, mon téléphone a planté rapidement. J'attends votre position, envoyez-moi. Pas de soucis, à tout de suite. Merci. Ah, encore une urgence? Ouais, non, t'inquiète pas. Mmh. Dis-moi, j'ai une petite question à te poser. Dis-moi. Depuis tout le temps qu'on s'est pas vu, sois franche. Ouais. Hein. Sois franche comme moi, j'ai été franc. T'as été franc de quoi? J'étais franc parce que moi, je t'ai dit des choses, moi. Ah ouais, t'as vite oublié. C'est toi, tu m'as vite oublié, tu m'abandonnes dans le Nord. Non, moi, je t'ai pas oublié. Je vais en taule à cause de toi. Tu vas en taule à cause de moi? Ouais, à cause du rendez-vous. Je me suis pris un casier pour ça. Ah ouais, attends, mais je suis désolé. Attends. Oh putain. Oh non. Ouais, allô? Ouais, Marc. Ouais. Tu nous rejoins à La Fuente? Ouais, c'est urgent, ouais. Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est urgent. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai rien dit, c'est juste pour savoir. Non, c'est pas urgent, mais... Pourquoi t'as un truc à faire? Non, je suis avec... une amie. Mais on a... Profite un peu, de toute façon, on est dans le nord. Non, attends, reviens, Luna, viens. Excuse-moi, Fivio. Oui, excuse-moi. Oui. Oui, du coup, donne-moi une position, j'arrive. Bah, La Fuente. Bah, vois, le temps qu'on arrive, nous, vas-y, ça te laisse un peu de temps avec ta copine. Vas-y, ça marche, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Mais non, mais c'est pas ça, c'est... Tu sais, c'est... Non, t'inquiète, je suis chérie. C'est mon secret. Bref, ma question est... Franchement, depuis tout ce temps, on ne s'est pas rencontrés. Dis-moi sincèrement. Ouais. Tu rencontres quelqu'un d'autre? Ah non, pas du tout. C'est vrai? Ce mensonge? Ah non, vraiment. Non, vraiment, je te jure. Je t'ai déjà dit, les mecs de mon cartel, des fois, on se vanne et tout, machin. Mais il n'y a rien du tout. Genre, c'est comme mes frères. Et sinon, au-delà de ça, il n'y a rien du tout. Ah, mais si tu veux, tu peux regarder mes SMS ou quoi que ce soit. Moi je fonctionne à ta confiance. Mmh. Ok. Tiens, viens voir, viens. Mmh. Viens. Merci beaucoup, Billy Boy. Tu comptes mettre une casquette?
Non, 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 parce que je vais me faire une grève des cheveux, je crois, et mes cheveux vont repousser. Parce que je peux pas rester comme ça. Il y a des perruques chez les coiffeurs, si tu veux. Non, 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 merci, pas de perruque. Je vais faire une petite greffe et... T'inquiète pas. Ok, ça marche. J'allais dire, est-ce que ça te dit demain... Normalement, j'ai pas à le faire, mais... Je te promets rien, mais disons que ça a 70%. Mm-hmm. Je t'invite quelque part, et j'aimerais t'inviter boire un verre. Et quelque part dans un endroit précieux. Bah ouais, avec plaisir. D'accord. Bah écoute, demain... Tu te feras pardonner comme ça. Bah ouais, je crois que j'ai pas le choix. Et... Ça sera moyen de me faire pardonner, et puis... Je pense aussi que c'est... Enfin, important de... Commencer à genre, je sais pas, te présenter mes amis, des proches, tu vois. Ça serait cool. Ah genre quoi? J'ai pas entendu la fin. J'ai pas entendu la fin, pardon. Tu vois mes amis. Ça serait cool. T'as des amis, toi? Bah ouais. À part moi, je veux dire. Enfin, mais non, t'es... ça va, je te taquine. Toi, ça compte pas. Mais je veux dire, ouais, ça serait cool qu'on commence et que tu vois un peu qui c'est que je fréquente et tout ça. Et puis, et à la suite, avec, enfin, tu réfléchiras, mais tu me feras part des tiens. Et comme ça, peut-être on aura des amis en commun, je sais pas. On pourra faire des petites soirées ensemble, entre potes, tes potes et les miens. Ouais, bah avec plaisir, ça marche, pas de souci. Ça me fait plaisir que tu me dis ça. Oui, tu vas pas rester toujours toute seule. Et moi non plus, tu vois, c'est important. Faire des activités avec des copains. Ah d'ailleurs, tu dois m'emmener au jet ski, hein, j'ai pas oublié. Ah, tu l'as pas oublié? Bah ok. Non. Bah je sais pas, si dans chez toi, t'as des petits maillots de bain. Mais... Ouais, t'inquiète. Ah bah si t'as des maillots de bain, c'est parfait. Bon bah voilà, et puis je viens de te prendre demain, je te laisse d'abord finir tes trucs. Et viens me prendre demain. Je viens de te prendre... Qu'est-ce que j'ai dit, une connerie? Non, non, t'inquiète. Attends, j'ai dit une connerie? Non, t'inquiète. La vie de ta mère, j'ai dit une connerie. J'ai dit quoi, les gars? Bon, bah, je viens te prendre demain. Non, mais rajoute pas une couche. Ah, c'est bon, j'ai compris. Oh, la dinguerie. Mais non, Luna. Bah, non, ouais, d'accord, c'est bon. Je viens de t'icter. Ah, ouais, c'est bon. Ouais, je viendrai te chercher, pardon. Ok. Je viendrai te chercher. Je viendrai te chercher à ton domicile. Enfin, chez toi. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Non, ça fait... Non, c'est chelou, ouais. Je viendrai te chercher dehors. C'est bien, c'est bien. Vas-y, ça marche. Je viendrai te chercher demain. Et voilà. Bon, t'acceptes mon invitation, alors? Ouais, avec plaisir. Bon, bah, ok. Bon, bah... T'as des rendez-vous, là? Ouais, vraiment, un rendez-vous un petit important. Et ça fait depuis tout à l'heure, je laisse traîner. Ouais, vas-y, fonce. T'inquiète. Bah, je te fais la bise. Ouais, vas-y, ça marche. C'est 4 à Paris. Ça, je crois pas. Vas-y, tranquille. Vas-y, c'est pas grave. Vas-y, à demain, Luna. À demain. Tu fais attention à toi, s'il te plaît. Ouais, ça marche, t'inquiète, toi aussi. Ouais, j'ai merdé. Ouais, ça me prendra jamais au sérieux. Putain. Mais fermez vos gueules, wesh, ça me prendra jamais au sérieux. Wesh, mon RP de merde. Bon, cette scène-là, vous êtes pas au courant. Ça va vous faire bizarre, hein, de ce qui va se passer, hein. Je porte mes couilles jusqu'au bout. Ah, Fivio qui m'appelle à ce moment-là, putain. Ah là là.
Oui, allô ? Oui, vous avez reçu ma position ? Oui, oui, je l'ai reçu, monsieur. Vous êtes, vous êtes tout seul ? Non, on est trois. Ça vous dérange ou pas ? Non, du tout. Ça marche à tout à l'heure. Ok, vous inquiétez pas, vous avez un écran. Oh putain, je m'inquiète. Ça sent la rôtisserie pour vous ou pas ? Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ça, bonsoir. Alors, du coup, vous rappelez de moi, c'était H. Oui. Alors, du coup, on va parler de la deuxième, entre guillemets, séquence de ce qu'on devait se dire. Mm. Voilà, donc je vais vous présenter mes amis rapidement quand même. Ouais. Je vous présente Rico. Bonsoir, Rico. Oh là. Et là, je vous présente Théo. Bonsoir. Bonsoir, Théo. Voilà. Donc, qui vous êtes ? Je m'appelle Landers. Ok, si. Voilà. Donc du coup, vous allez aujourd'hui donc parler avec Rico. Voilà, donc on va parler pour la deuxième partie de ce qu'on vous doit, bien sûr, et de du coup la deuxième partie de ce que vous nous devez, vous. D'accord. Voilà. Rico, je te laisse parler. Ok, si. Il m'a mis un peu au courant de ce que vous vouliez faire. C'était quel cartel que vous lui avez parlé ? C'est le cartel de... Ah, j'ai perdu le mot de c'est le cartel parce que je sais qu'il y en a plusieurs. Citez-les-moi, oui. Pour voir, je vais vous dire c'est lequel. Je ne connais pas vraiment Madro, voilà. enfin, les cartels, voilà. Ok, vous l'aimez vraiment pas. Les Madrazo. C'est pas une question que je les aime pas. C'est une question que. Bah, ils me prennent de haut. Okay. Un exemple. Dès qu'ils viennent me chercher devant tout le monde, ils vont me dire « N'oublie pas ton cartable okay. !» Tu vois, ça vous ferait plaisir de le voir tout en bas, non ? C'est pas... Oui, et surtout divulguer les infos qu'ils ont. Parce que je sais qu'une fois par semaine... Ouais. Je sais qu'une fois par semaine, ils ont un entrepôt dans le sud. Ouais. À qui j'ai donné le numéro, monsieur qui est juste derrière. Ouais. Et de cet entrepôt-là, il y a des véhicules blancs. Les véhicules blancs, justement, ils déchargent tout ce qu'il y a dans le véhicule blanc pour le mettre dans des bateaux. Et dans ces bateaux-là, ils les ramènent là, ils les ramènent jusqu'à dans leur île. Donc voilà. Ouais, ok. Vous êtes toujours en bon terme avec eux ou pas du tout ? Ils ont totalement confiance en moi. Ok. Moi, ce que je pourrais vous proposer... C'est que il y a moyen, si vous voulez, de les voir un peu partir, de ne plus entendre parler d'eux, hein. Ouais. D'avoir votre mini vengeance. Je pense que ça, vous le voulez. Je l'aimerais bien, oui. Ils vous ont pas mal ridiculisé, je pense. Ah bah devant tout le monde, hein. Au Yellow Jack, dès qu'ils viennent me chercher. Ça serait bien de faire l'inverse, non, vous trouvez pas ? J'aimerais bien les ridiculiser, ouais. Ok. Ouais. On a eu une petite idée, on a un peu réfléchi entre nous. Dites-moi tout. Ce qu'on pourrait te proposer, ça serait... Je te tutoie, je me permets. Ouais. C'est que si t'arrives à nous faire rentrer dedans, si on arrive à taffer pour eux, entre parenthèses, vu qu'ils travaillent au Weasel, etc., il y a moyen de médiatiser cette affaire de fou. Et tout le monde entendrait parler d'eux. Donc ça, c'est bien. Et surtout, la police les entendrait. Hein. Moi, ce que je vous propose, c'est un autre schéma. Le cartel que je vous donne, en gros. Okay. Excusez-moi. Le cartel que je vous donne, en gros, c'est... Ils sont très malins. Ils vont pas rentrer n'importe qui. C'est vrai. Le fait même que vous allez rentrer à main, avant même de rentrer, ça sera des questions sur questions. En gros, ils vont se renseigner sur vous. Qui vous êtes exactement ?
Le mieux. C'est nickel, personne ne connaît. Personne ne me connaît. Personne ne me connaît. Je fais mon petit taf, moi, au pancake. Ouais, moi aussi. Je parle à personne. Mais personne qui le connaît. Bah, si j'ai confiance en toi. D'ailleurs, écoutez, il m'appelle. Écoutez bien. Mettez sur le parleur. Oui. C'est. Je suis à la Fuente, hermano. Oh, ok, moi je suis avec ma copine, j'arrive. Ok. C'est quoi cette grosse voix? Voilà, c'est juste pour faire le rebelle. Ah, d'accord. C'est bien ça. Allez. Vas-y, à tout de suite. À tout de suite. C'était eux? Ouais, c'est un mec du cartel, ouais. Donc voilà, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va pas... J'ai pas envie qu'il vous arrive quelque chose. Ces gens-là, ils rigolent pas. Moi, il suffit... On se met en accord, je vous donne la position, je vous donne la date et l'heure. Prenez toutes les caméras possibles et vous les filmez... un conseil à distance. Ils vont sortir des choses dans le coffre, rien que ça suffira, à mon avis, de mettre la puce à l'oreille à la ville. Ça, on a ce qu'il faut pour ça. Si je vous passe ça, il y a moyen juste d'avoir un numéro. Le mien ? Bah, non, pas le vôtre. Ouais. Ça m'intéresse pas. Le numéro de quelqu'un qui travaille là-bas. Juste un seul numéro. Malheureusement, je pourrais pas vous le donner le numéro. Je peux vous donner la position. Vous pouvez faire un effort quand même. Je peux pas. Déjà, ce que je fais, c'est risqué. Bah oui, je sais. C'est mais un numéro. C'est risqué. Un numéro, c'est quoi ? Personne peut savoir que c'est vous. Il y a des dizaines de numéros qui s'échangent chaque jour ici. À chaque seconde. Des dizaines, t'es gentil. Non mais je pense pas. Leur répertoire, elle est très restreint. Très restreint, ça veut dire t'as pas plus de 10 contacts dans leur répertoire. Et ça peut aller super vite. Tête par tête. Ils vont savoir qui c'est. Donc le mieux, vraiment... Vous avez pas un petit nom ? Je pourrais vous donner juste un nom. Et c'est la personne justement qui déchargera les voitures. La personne, ok. Je note, je vous écoute. Je vous donne un nom ? Ouais, juste un nom. Fivio. Fivio, c'est ça ? Ouais. Vous l'écrivez comment ? F-I-V-I-O. Donc voilà. Okay. Fivio. Maintenant, je veux qu'on aille jusqu'au bout des choses. Est-ce que vous voulez qu'on aille jusqu'au bout des choses ou pas ? Est-ce que vous voulez, les gars derrière, est-ce que vous voulez qu'on aille jusqu'au bout ? Sûr. Prêt à mourir. Très bien. Ouais. Dans ce cas-là, je veux le reste. Et je vous donne ma suite. Tenez. T'es chié avec ton 1$ quand même. Hein ? Non, t'as dit non, t'as... je lui ai donné combien ? Pardon. Là, je lui ai donné 25. Ah, ok. 24 999. Oh, vous rigolez, ça vous fait rire ? Écoute, c'est quoi, pas le moment de rigoler. Merci. 1$ reste 1$. Du coup, monsieur à la cravate, je passerai vous voir demain à votre entreprise. Je vous donnerai le plan. Je vous donnerai un plan. Et ce plan-là, justement, vous donnera justement la position, l'heure, enfin, le jour et l'heure exact. Je vous ramènerai un petit schéma. Alors par contre, oui, on est bien d'accord pour faire ça. Le seul souci, c'est que, oui, en passant en entreprise, vous exposez ma personne, d'accord, et vous exposez votre personne aussi. Ce que je vous propose, c'est plutôt que vous m'envoyiez une coordonnée GPS dans un endroit que vous pensez sûr. Bah non, on va faire plus simple. On va faire plus simple. Dites-moi. En sachant que moi, je connais l'heure à l'heure où ils arrivent. On arrivera plus tôt qu'eux. C'est bon ? Ok. Oui. On arrivera plus tôt qu'eux. Ça nous permettra de nous positionner tranquillement, de trouver nos repères. Et voilà. À ce moment-là, à distance, une fois qu'ils vont se mettre à l'œuvre, à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à rec. Bien d'accord avec vous. Maintenant, on vient de vous donner 25 000. Mmh. Vous avez fait les comptes. Mmh. Maintenant, la garantie. La garantie, c'est que moi, je traîne qu'en ville. Je peux pas fuir. D'accord ? Quand je vous dis que demain, je passerai, c'est que je passerai demain. J'ai pas de parole d'homme ? Ouais, vous avez ma parole d'homme. Ben, je vous serre la main. Ok. Merci. Donc, on est sur un accord. Me décevez pas. Je vais pas vous décevoir. Voilà, on vous laisse repartir du coup. Je vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée à vous, faites attention. D'accord. Je suis en train de lire vos messages, hein, je les vois. Attendez, vous m'en voulez vraiment les gars à ce point-là ? Vous verrez. J'ai plus beaucoup d'essence, hein. Ouais, j'ai l'impression que je vous ai beaucoup déçu. Mais c'est pas fini, hein. Vous avez vu, c'était 9, personne n'est au courant. Ça vous choque, hein. Il vous reste ce qui va se passer. Merci beaucoup, Shaïn. C'est très gentil, merci beaucoup. Ah, vous verrez ce qui va se passer, hein. Je peux pas vous en dire plus, hein. Je ne dis rien. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu mon argent. Allez, tremble pas. C'est pas grave. Je
quoi cette coachée de merde là? C'est qui lui devant là? C'est bon, c'est Marc. C'est moi, c'est Marc, désolé. Oh, écoute, comment ça là? C'est bon, Merde. Non, non. Je suis au milieu des loups. C'est sûr. On attend, je vous dis à la campagne. C'est Ola. Ola. Pêche. Ola. Vas-y, va bien, ils sont là-bas. Ola. On dirait un ongle. Putain, on dirait un putain de Rouskov là. Mais combien c'est de merde? On dirait un peu plus de 200 000. Un doigt de pied ta caisse. Putain, c'est vraiment de la merde dans ta voiture. Bonsoir, patron. Bonsoir, qu'un connard. Malteser. Vous m'avez appelé comment, patron? Malteser. Chocolat blanc. Ça va, hein? Ça va ou quoi? Bon, qu'est-ce qui se passe du coup? Tu sens sa nervosité. Ça a été devenu nerveux là. Non, ça y est, je suis ressorti du commissariat. Ouais, ils m'ont fait une petite fleur. Ils m'ont pas retiré mon permis. Tu? Et au lieu de me mettre 12 000 $ d'amende, ils m'ont mis que 6 000. Ils m'ont fait moins 50%. Comment ils m'ont baisé la gueule à côté de lui? Quoi, c'est les soldes? C'est les soldes? Ils m'ont enlevé mon permis, ils m'ont mis 12 000, un truc comme ça, c'est son t'as fou, fait là, quoi? T'as fait quoi pour le qu'il te fasse ça là? Bon, rien. Rien, tranquille, j'ai été juste. Voilà, j'étais poli. Putain. Ouais. Bah, t'as eu de la chance, hein, je te le garantis. C'est vraiment des bâtards. Ouais. Et voilà. Et sinon, par rapport aux chaussettes sales. Si. Et bah. Je lui ai tout remis. Je laissais vivre sa vie. Ouais. Tu lui as tout donné? Ouais. T'as un coach de vie ou quoi, toi, merde? Non, mais t'es pas sérieux là, malgré. Je le promets. Tu fais du bénévolat ou quoi, merde? Tu fais du business, mais tu prends pas de bénéfices dessus. Ouais, c'était dans le rouge, etc. Il devait de l'argent. Et hop, il s'appelait comment ce connard? Qu'est-ce qu'on a à foutre? T'es la Croix-Rouge, toi? Qu'est-ce qu'on a à foutre de ce connard? Je t'ai dit, il fallait partir sur un 30% avec lui. Tu aurais gagné 15%. D'accord. Putain. Comme voilà, dire ce Théo, c'était un bon samaritain, il t'a passé 140 000 balles pour le blanchir, mais il était tout gentil, tout mignon. C'est pas grave, en tout cas. Si, c'est grave, hermano. Putain, la merde. Hein. Tu veux faire du business ou tu veux pas faire du business? Ah, mais si, patron, promis, je vais faire du business. Bah, c'est pas comme ça qu'on fait le business, là. Impose-toi un peu plus, là. Mm-hmm. Y a pas de sentiment dans ce business de canard. C'est eux, ils vont toujours t'amadouer avec des oh, s'il te plaît, je suis pauvre, faut l'enculer direct. Faut lui mettre sans vaseline, tu mets du talc. Ouais, très bien, chef. Comme ça, le business, là. Très bien. Ah putain. Oui, je voulais aussi vous dire quelque chose. Si, dis-moi. Même si vous vous en foutez. Je m'en fous pas. Je suis élu meilleur employé de la semaine. Élu? Par qui? Où ça? Au Hilo Jack, j'ai fait 20 runs hier. Sérieux? Pourquoi tu n'as pas Obama, sans foiré? Je peux te rabattre là-bas, là-bas? Si, bien sûr, on tient. Non, mais je vais faire des runs, il y en a? Si, bah oui, il y en a. Putain, mais je pourrais en faire alors. Bah bien sûr. Si, je voulais en parler, en plus, dès qu'il m'a dit ça, je voulais en parler à Miguel. C'est beaucoup mieux pour l'emplacement, et en plus, on pourra plus te protéger, tu vois. Ouais, très bien. Et qu'est-ce qu'on vend là-bas? C'est quoi du là-bas? C'est Rome. Ah ouais, carrément, ok, très bien. C'est... D'accord. Ah, j'ai une petite mission pour toi, moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai un mec à te faire rechercher dans la ville, là. On cherche un mec. Tiens, Rodrigo, viens, s'il te plaît. Ah, si, c'est vrai, si. Comment on va? Non, on vient, on est chez nous. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est juste que... Ah, ça va. Ouais. Tu crois que je loue ici ou quoi, merde? Ou ailleurs. Non, hey, j'ai un mec à chercher. Oui. Respire, hein. Un certain Dimitrius Marcus, Dimarcus. Ça dit quelque chose? Dimitri Marcus? Dimarcus, non? Dimarcus. Truc comme ça. Dimarcus, non, ça me dit rien, je vous le promets. Il est comment? Il est comment, Pendejo? Il est comment? Qui? C'est l'autre avec son visage de merde là. Si, c'est un noir avec avec des tresses blanches et une espèce de tatouage sur le visage bizarre. D'accord. Je pourrais t'envoyer une photo. Ouais, j'aimerais bien.
Envoie-lui une photo. Et donc, si tu me trouves ce connard, tu me le braques, tu me l'emmènes dans un coin et tu m'appelles. Tu veilles à ce que tu prends direct sa, son téléphone, sa téléphone sa, radio aussi. Téléphone radio et sa SIM, tu la gardes sur toi. D'accord. Tu nous la donneras quand on arrivera. D'accord, très bien. Je m'en charge. Tu veilles à ce qu'il sorte pas son téléphone, qu'il efface pas toute cette merde. D'accord. Très bien. Si fais ça, tabasse-le bien, bien, bien fort. D'accord, je ferai ça. Okay. Et sans pitié là, y a pas de je vais le laisser partir, il m'a fait des sentiments, des merdes, tu lui fais rien du tout, tu ouais, y a lui, pas de sentiments, que des centimètres. Que des centimètres, exactement. Si, c'est quoi vrai. Ça. Très bien. T'as le numéro de Rodrigo au cas où tu le chopes et que tu puisses l'appeler. C'est une grosse balance ce merde. D'ailleurs patron, j'aimerais vous parler de quelque chose personnel s'il vous plaît. À moi. Qui ça? Je pourrais vous parler, quelque chose de personnel. Personnel? Oui s'il vous plaît. De c'est ma famille, raconte tout. Non, j'ose pas, c'est vraiment personnel. C'est encore un truc de cul, ça. Mais ouais, bon, bah, que nous trois, alors, c'est bon. Que nous trois. Non, juste nous deux. Avec Fio. Non, juste nous deux. Juste nous deux. Ouais. Attends, tu veux me la mettre ou quoi? Non, je vous promets, patron. Dites-moi, patron. Si. Ah ouais. Vous savez, l'autre fois, quand j'avais ôté la vie du frère de Tarek. Si. Vous étiez à la villa, on est d'accord, quand on a tout fini. À la villa, c'est-à-dire à l'intérieur de la villa. Mmh. Quand on a fini. C'est vrai. Et à un moment donné, vous étiez en train de parler de cargaison. En gros, qu'il fallait décharger. Et vous avez dit aussi, en gros, il faudra qu'on se fixe une date. Et la date, ce que je veux dire, c'est que vous ne l'avez pas dit. Comment ça, de quoi tu me parles là? Qu'est-ce que tu me racontes là? Quand vous étiez à la villa, vous parliez d'une cargaison à décharger de votre des véhicules. Mmh. D'accord. Mmh. Et moi, en gros, j'ai jamais insisté à tout ça. Et j'aurais voulu savoir quand est-ce que vous feriez ça pour que je puisse insister avec vous. Quoi, tu fais partie du cartel pour assister à une cargaison à moi? Non, c'est pas ça, c'est que je veux juste insister. Je vous ai jamais vu à l'œuvre. Non, mais ça va t'apporter quoi que tu nous vois à l'œuvre? Au moins que je regarde comment vous faites. Juste regarder et voilà, de loin, comme un apprenti. Ouais, moi je donne pas trop d'argent, connard. Comme un apprenti, tu crois que nous on a des stagiaires dans le cartel? Non mais c'est façon de dire. La propreté. C'est façon de dire, Seigneur. Ouais, il est mais il comprend pas tout bien. En gros. En fait, tu voudrais assister à une cargaison, à une livraison. Ouais, voilà. Et dans quel but? Pourquoi? Bah comme ça je vois comment vous faites. Bah c'est simple, on décharge, on charge. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Ah il veut travailler. Je sais pas, il est bizarre, il me dit oui, je voudrais assister à une cargaison, enfin une livraison. Eh, si tu te mouilles avec nous, tu te mouilles avec nous à 100% maintenant, y a pas de... Mais ouais, ou je sais pas quoi. C'est exactement ce que je lui dis. J'aimerais juste insister, regarder et apprendre, moi aussi, comme vous. Après, c'est plus pas regarder, c'est aussi participer. On part sans vous, c'est bon? Si, on peut partir. Si, vas-y, tu peux y aller. Si. J'ai le prix au gramme. C'est bon. Vas-y. Tu me diras par mail, là. C'est ça. Ouais, pas de problème. Du moment que tu sais, après, t'as vu, t'es avec la famille, après, y'a pas de... T'es partout, quoi. D'accord, ok. Bah très bien. Bah écoutez, dès que vous avez la date, vous me le dites. Quelle date? Mais comment ça la date? C'était Thanksgiving ou quoi? C'est quoi ces merdes? Tu me parles de quoi là? Pourquoi tu parles de date là? Ah l'autre pas fois... Prendre des rendez-vous? Mais non, c'est pas ça. L'autre fois, vous étiez dans la villa, vous avez dit faudra qu'on se fixe une date de livraison justement. Et ça y est, la date, elle est là, la date. Mais attends, mais je comprends pas, tu parles de livraison pour toi ou tu parles de quoi en fait? Mais non. C'est bon. Non, vous avez fini vos histoires d'amour là? Non, on parle. Ouais. Ouais, vas-y, dis. Ouais, bon. Laisse tomber, je crois que vous avez pas compris, c'est pas grave. Non, si, il veut voir le travail. Il veut voir comment on travaille. Oui, mais y a pas de date. Je sais pas pourquoi il force une date. C'est, ouais. Nous, c'est tout le temps. Nous, tu crois quoi, que le business, c'est une date ou quoi? Tu vois, nous, c'est tout le temps. Nous. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, bon, je vais être plus précis. Si.
Parce que là, je comprends pas. Là, je pense que je suis pas le mais c'est qu'en fait, vous avez dit oui, on décharge les voitures. C'est. Et pour les ramener dans le bateau. Tu vois, il y a les bateaux pour aller jusqu'à l'île. C'est. Et c'est à ce moment-là, vous avez dit, il faudra qu'on décharge les voitures pour les mettre dans le bateau. Et le problème, après, vous avez dit, il faudra qu'on se fixe une date de, justement de, pour faire ça. Je vois pas qu'il y a si, mais ça, comme ça, dans tous les cas, ça c'est... Ça peut faire pim-pim, ça. Ok, on se fixe une date, mais c'est... Ah, c'est pas comme si c'était on faisait ça une fois par mois, quoi, tu vois. Vous faites ça tous les camps, à peu près. Tout le temps. Tout le temps, une fois, deux fois par semaine. Une fois par jour, ça, même, ça dépend. Ouais, d'accord. Après, dans différents environnements, tu vois. D'accord, très bien. Bah ok, bah, c'était juste pour savoir ça, c'est tout. Je suis intéressé, c'est tout, je suis curieux. Un peu trop curieux à mon goût. Ouais, tu me fais une tête de suspect, j'aime pas cette merde. Non, mais c'est juste, je suis un peu. Non, mais Fivio, tu m'entends tout à l'heure. Là, t'es bizarre, là, tu le colles pas. Mais je te prie. Tu veux te mouiller, tu viens là. Mais non, mais c'est pas ça. Fivio, tu m'as entendu tout à l'heure, j'étais au téléphone avec. Tu veux que je te fasse braquer une banque là tout de suite là? Non, tu veux te mouiller tout de suite là? Non, vas-y, viens avec moi. Non, mais je suis un peu en. Non, j'étais juste un peu en dispute avec ma copine, c'est tout. C'est pour ça que je suis un peu énervé. Ah, ok, ok, je vois. Ok. Du coup, t'es énervé, du coup, tu veux faire des dingueries ou tu veux vraiment bosser? Je veux vraiment bosser. Parce que Marc, c'est vraiment pas un jeu. Non, moi, j'ai pas envie de te mettre dans ça. Vraiment, moi, j'ai pas envie, parce que c'est pas un jeu. Je sais. En tout cas, j'ai un sort de... Comment vous dire ça? Je sais ce que je veux pour plus tard. En attendant, je suis en train de travailler. Tu veux quoi pour plus tard? Enfin, pour l'instant, je suis en train vraiment de travailler comme un malade et je suis le meilleur employé. Je suis en train de ramasser un maximum de platin en argent propre. Et ensuite, tout ça, je l'envoie à Lille et je travaillerai là-bas. Eh ouais. Tu peux travailler maintenant là-bas. Tu peux travailler avec nous. Tu peux faire ta plata. 20 fois mieux que celle-là. Ça, c'est des miettes. C'est vrai. Voilà. Bah, je vous donnerai une réponse dès demain pour le trabajo à Lille, d'accord? Si. Ok. Ok, ok, d'accord. Tu veux tenir un business là-bas? Bah ouais, j'aimerais bien. Moi, il y a un restaurant à reprendre, Herman. C'est vrai? Bah, demande à mon frère. Putain. Non, mais vraiment? Si, il y a un restaurant. Non, mais c'est restaurant. Non, ça déconne, vraiment. Si. Et si on le reprend, ça coûterait combien si on le reprend? 300 000. C'est vrai? Mais après, c'est un crédit. Tu peux faire ça en crédit. Non, mais si on paye cash. Même si tu payes cash, bah, si tu payes cash, c'est bon. C'est bon. Très bien. Tu vends des faritas au poulet. Mais par contre, après, voilà, c'est. Après, t'as de la gestion, t'as beaucoup de trucs à gérer quand t'es une entreprise, Marc. Non, mais je sais, ça, je t'inquiète pas pour ça. Mais s'il y a un truc à reprendre, nous, on voudrait bien reprendre. Mais est-ce que. C'est qui, vous? Bah, justement, parce que si on travaille aussi dur, c'est parce que je voulais pas. Ouais, dire, c'est qui, vous? Vas-y. J'ai monté aussi mes petits soldats qui travaillent pour moi. Au Yellow Jack. Des petits soldats. Ouais. C'est pour ça qu'on arrive à faire 20 runs. Mm-hmm. Et ouais. Que des bosseurs dans mon équipe. Et oui, et on n'est pas beaucoup, on est très peu. Faudra que tu nous les montres, ces Gugus. Si. Faudra que tu nous les présentes. Quoi, il a dit quelque chose de marrant. Non, c'est juste le mot Gugus. Gugus. C'est petit Gugus. Toi, pipi caca aussi, ça te fait rire. Non, mais non. Si, ça te fait rire. Si. Putain de merde. Et une dernière chose, si on prend l'entreprise de. C'est comment ça? On pourrait. Non, mais je veux dire, c'est pas ça. Si on arrive à prendre l'entreprise à côté, on peut trabajo le rhum? Bien sûr. Ah non. D'accord, ok. De toute façon, t'as pas d'avantage. Après, tu peux importer ta bouffe sur le continent qui fait que tu pourras l'échanger contre du rhum. Ouais, si, tu pourras faire du business après, par contre. Eh ouais, Romano. Les faritas, tout ça, les gens, ils vont vouloir. Tu vois. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent venir. Allez, j'en ai marre. Laisse, Marc. Attends, je suis en train de négocier une entreprise. C'est ta faute en plus, merde. Non, mais je veux dire. Non, mais je veux dire, est-ce que si on les. Enfin, si on les. Comment on appelle? Si on les fabrique chez vous, est-ce qu'on peut les revendre là-bas?
Bien sûr. Bien sûr. C'est ce qu'on dit. Tu peux les revendre ici. Dans tous les commerces ici, tu peux les revendre. D'accord. Même tu peux faire des épiceries et en mettre. D'accord. Mmh. Et dernière chose, les gens, on est d'accord, ne peuvent pas venir acheter. Comment ça? Pourquoi pas? C'est un restaurant, bah si. C'est un restaurant, tu peux le revendre sur place. D'accord, ça veut dire... Comme au Crucial, comme à Hot Dog et comme tous les autres. Donc ils viennent jusqu'à Lille, ils viennent jusqu'à Lille, ils achètent. Ah, on va dire... Si tu fais bien ta pub, etc., tu sais qu'ils vont se déplacer jusqu'à Lille. Ouais, vas-y les gars, chouchou, là, tu peux demeurer chouchou pour faire ça. Bah vas-y, y'a pas de problème. Mais c'est beaucoup d'investissement, Marc. Ah ouais, je sais, on va s'investir comme on le ferait au Yellow, je te jure, on va se donner à fond, on a que ça à faire. Bah si. En plus, tu vois, je t'avais dit, tu peux même créer des événements autour de ça avec le mec du bar et faire des trucs. Non, vraiment, ouais, ça, je suis chaud, je te jure. Je vais monter ma petite équipe. Et on va faire ça pour vous. D'accord. Et, okay. Et les Gugus, je vais vous les présenter quand le moment sera venu. D'accord. Après, tu sais qu'on a tué plusieurs patrons de Caillou. Parce que là-bas, tu vois des trucs et tu entends des trucs. Ah ouais, Et nous, dans la famille de Madrazo, les balances, tu sais ce qu'on en fait des balances. Et même les mecs qui ont trop faim, je leur fais un régime direct. Régime direct aussi, les mecs qui ont trop faim. Nous, on n'est pas là pour gratter sur le dos des gens. Tu vois, avec nous, tu vas bien manger, t'es fidèle, mais tu vas bien manger. Tu fais quoi avec nous? Tu vas bien manger aussi. Là, tu finis. Voilà, tu as bien mangé aussi, comme il a dit. Bon, d'accord, très bien. Tu te souviens du mousquet? Du quoi? Le mousquet, la vaseline, c'est pas une femme de La Fontaine, mais c'est presque. Là, je t'ai montré, là, le fusil que j'avais montré, là, d'avant. Ah, si, je me rappelle très bien. Voilà. Je préfère éviter. Voilà, tu te souviens de la longueur? Oui, je me rappelle très bien. Voilà. Bon, bah... Non, mais même, putain, merde, c'est la famille, là. Tu vois, tout ce qu'on fait pour toi, là comment on va te mettre, là, t'as tout à gagner. Non, je sais, je vais vraiment me donner à fond, Alors, j'espère que tu te comporteras pas comme un connard. Parce que là, je sais pas, là, je te sens tendu, t'es pas comme d'habitude. Mais non, mais je sais parce que... T'as des mecs sur toi, t'as des trucs, t'as des gens qui te cassent les couilles, que je les prends, je les brûle. Mais j'aimerais vous demander quelque chose. C'est qui te fait chier, mais y'a personne, je vous promets. J'aimerais vous demander justement un service. Oui. Mais faut pas le prendre mal. Comment? Quoi? Marc, tu vas aller dans... Putain, il va nous dire une merde encore, je sais. Vas-y, non, qu'est-ce que tu vas nous dire encore? C'est juste, écoutez, je vous promets, c'est juste un quart d'heure de temps. Un quart d'heure, vas-y. 15 minutes. C'est... Vas-y. J'aurais voulu avoir votre autorisation. Pour savoir si je pouvais... En fait, Mais c'est quoi, c'est une poésie, là? Parle tête de merde. Mais non, je voudrais juste ramener... Je me suis dit que ça changerait d'habitude. Les gens... Oh, il est amoureux, ce connard. Mais non, mais c'est pas ça, je vous promets. D'habitude, les gens, ils ramènent leur copine au jet ski, ils ramènent dans un bar, et tout ça. Et moi, pour la faire changer un peu, j'aurais voulu la faire venir ici. Juste 15 minutes. Où ça? Ici? Ah là là, ici, chez moi. À la Fontaine. Oui. Je vais lui faire du cheval, c'est ça? Pourquoi? Oui, du cheval aussi. Mais pourquoi tu veux la chevaucher? Mais non, c'est pas ça, c'est parce que... Parce que je tiens beaucoup à elle et voilà. Et elle tient beaucoup à moi aussi. Mais du coup, pourquoi La Fuente? Si, je comprends pas l'intérêt. Je comprends pas aussi. Là. Parce que c'est un endroit à l'égard de tout le monde, à l'égard des regards indiscrets et tout ça. Et je sais qu'ici, elle sera bien. Et surtout avec vous. Ah, tu vas à un endroit pour faire ce que t'as à faire avec elle? Non, mais non, mais rien, on fait rien. On va juste se voir. Tiens, au golf. Vous voyez juste derrière vous là, il y a une petite pelouse, se poser ici, faire un petit pique-nique, c'est tout. Mais des pelouses, moi je t'en trouve plein, pourquoi La Fuente? Non, La Fuente, parce que c'est... Ça serait quelque chose de significatif. C'est pas tous les jours je vous ramène des nanas ici, ça serait... C'est qui ta copine, elle s'appelle comment? Je pense que vous la connaissez. C'est qui? Les regards se sont déjà croisés. Les quoi? Les regards se sont déjà croisés. Comment ça? Putain, ça veut dire quoi, ça? Souvenir de ce que je croise, moi. Je l'ai dragué. Mais non, vous vous rappelez quand... Pardon? Vous vous... Tu l'as pas touché, celle-là, c'est pas elle. Mais comment ça, celle-là? comment ça, celle-là? Toi, tu me donnes des problèmes, toi, comment ça, celle-là? Ah, je rigole, on peut pas se marrer, merde. T'es con, quoi? Non, ouais, pas avec ce genre de truc, non. Et ma femme à côté, tu dis des conneries comme ça, là? T'es sérieux, quoi? Mais je rigole, tu sais très bien ton beau-frère, il va jamais mettre ton mec dans la merde. Si, elle rigole pas trop, elle, vraiment, pas de sens de l'humour, celle-là, vraiment. Bon, on va changer de sujet, là. Vas-y, tu veux ramener ta meuf, là, aller faire ton pique-nique, Nick? Bah, tu vas là-bas, à côté de l'arbre, là-bas.
tu prends ton panier. Fais pas de saloperie, salis pas la pelouse. Non, mais c'est qui? C'est qui? En fait, je vous ai. Ouais, elle rend pas blanche, hein, la pelouse, là. La neige, elle est passée déjà. En fait, nos regards se sont déjà croisés du sens. Vous vous rappelez quand on est parti voir. Enfin, enlever la vie de Tarek? Si. Et bah, justement, cette fille-là fait partie des leurs. Qui? Santa Malte? Ouais. Mais on est très proches, elle et moi. Là, ça me dérange, du coup. C'est vrai, parce qu'il pourrait avoir des informations ici. Il n'y a aucune info, on est loin de tout le monde, loin de vos voitures. Vraiment. On s'approche même pas de vos maisons. Mais... La norme, tu vas aller où, là, dans les cabanes bleues, là-bas? Mal, ce qu'on va faire, que quand tu vas la mettre ta copine, là, on va lui mettre un sac sur la tête. D'accord? D'accord, je la mettrai un sac. Pour les informations. Pas parce qu'elle est moche, mais pour pas qu'elle voie ce qui se passe. D'accord, mais je veux dire, mais une fois qu'elle arrive ici sur la pelouse, on est d'accord. Non, tu parles avec le masque. Mais non, mais j'enlève enfin, avec le sac. Mais bah, toute la journée, je laisse le sac sur la tête? Pourquoi pas? Il fait un petit trou d'aération. Il fait un petit trou au niveau de la bouche, tu vois, parce que voilà, c'est sûr, tu vas vouloir faire des trucs. Ouais. C'est bon, t'embrasses. La bouche, c'est bon. Allez, tu lui fais une belle bouche, tu sais, tu te dessines autour. Ça va, allez. Comme une poupée gonflable, tu vois. Vous me prenez vraiment pas au sérieux. Vraiment. Non, mais non, si, pas... si, c'est bon, si, t'inquiète. C'est pas grave sérieux. Non, mais pour les informations. Non, mais après, je peux voir des trucs, tu vois. Non, c'est pas possible. Tu vois, réfléchis, ça vient d'un autre cartel qui vient chez nous, comme ça. Tu vois, Marc, là, on parle d'un autre cartel, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais elle risque rien, mec. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, elle? Elle, oui, elle risque rien. Nous, on risque tout. Mais en fait, le problème, Marc, non, c'est que tu vas les mettre en danger, en fait. Parce que nous, si on a moindre soupçon, ah, on la tue, c'est ce cartel-là qu'on va aller voir directement. Et ils vont avoir des problèmes, tu vois ce que je veux dire? C'est même toi qui devras la tuer encore, hein. Mais non, mais on est loin, non, de tout ça. Enfin, elle est vraiment... En fait, pour faire un schéma, un dessin, elle est comme moi, elle est vraiment pas dedans. T'es sûr qu'elle te manipule pas? Mais non. Non, mais moi, Marc, je te parle en femme. Sérieusement, il y a des coins plus sympathiques. Hein, quoi? Quel coin? Quoi? Tu connais des non, coins, toi? Quel coin on a pas fait ensemble, là? Non, mais moi, j'ai pas fait les coins, moi. On a fait tous les coins. Si, mais à Caillou, par exemple, il y a des endroits magnifiques. Ah ouais, pourquoi tu l'emmènes pas à Caillou? À Lille, bon. À Lille. Bah oui. Ah, je peux... si. Vous me donnez l'autorisation d'y aller à Lille? Bah si tu veux me faire rêver, si tu veux, on organise ça. Oui, je veux bien, pour demain. Je te mets en contact avec celui qui gère le bar. Ah ouais, trop comme bien. Ça, tu vas sur la plage avec quelqu'un. Ouais, tu seras vraiment bien là, par contre. Ça sera 20 fois mieux qu'ici. On va te privatiser. Yes, on va te privatiser la plage de la Clanchette. Trop bien. Ouais, pour demain, c'est génial. Voilà. Bah voilà, Armano, tu vois, on trouve un terrain d'entente. Je te prépare un hélicoptère, il vient de vous chercher à deux. Ouais, okay. Trop bien. Voilà, ça fera 500 000 $. Ah ben, y'a pas de problème, je vous le dirai. J'ai qu'une envie, El Patron, c'est enlever votre chapeau et vous faire un gros bisou. Hey, ouais. Mais oui, vous êtes gentil. Tata va te cogner, fais gaffe. Non, c'est... Je vais te faire un petit cadeau. Si. Je vais t'organiser ça pour demain. C'est d'accord. Pour toi. Très bien. Bon, ça marche, merci infiniment, El Patron. Et moi pas, espèce d'enfoiré de merde. Et Monica aussi. Et moi pas, c'est moi qui ai eu l'idée, mais c'est pas grave. Si, c'est vrai. Ah, elle était bien la soirée au casino là? Ils sont rien à foutre. Ah, il n'a rien ça a rappé. C'était pas mal. Heureusement qu'ils ont rappé les autres, sinon bon, il n'y avait rien à foutre. Après, on s'est barré. Hein. D'accord. Bon, moi, j'ai pas pu aller moi au casino. Ouais. Moi, ce qu'il vous faut, patron, vraiment, je sais que c'est con à dire. Mais prenez vraiment, ça serait une petite après-midi tous ensemble ici là, avec tous les hommes ici. Pourquoi ici? Toi, quoi, avec la villa ici? Tu l'aimes beaucoup, hein? Non, mais c'est pas ça, de venir avec tous les hommes ensemble et partir à la plage faire du jet ski. Ça serait génial. Mais jet ski, on en fait à Caillou. On fait tout à Caillou. Tu n'as même pas fait du delta plane. Tu veux faire du delta plane? On fait du delta plane. J'ai oublié, j'avais tout là-bas, je suis désolé. On fait même du delta plane à Caillou. Tu veux faire du delta plane? T'as déjà fait du delta plane, toi? Non, jamais. Mais il y a un poids autorisé normalement, faut faire attention.
Pourquoi t'es gros, plus gros que moi, toi? Ouais, je fais quand même 100 kilos. Hey, mais c'est un deltaplane, tu crois que c'est quoi? C'est un deltaplane, il peut supporter 100 kilos quand même, non? Ah, c'est pas bon, je pense. Hein. T'as 100 kilos, ça va, c'est pas gros, c'est... 100 kilos. Non. Okay, oui. Ça dépend de comment tout est grand et... Ah oui, je vous ai pas dit aussi. Quoi? Ah, pour ma nouvelle arme, j'aurai un nouveau chargeur supplémentaire. Ah, ah. Comment ça? Oui. Eh ben, j'aurai un chargeur supplémentaire. Un chargeur. Ah bon? Ouais, un chargeur où les munitions sont pleins. Mmh. Eh oui. T'as eu ça où, toi? Eh ben, c'est... Beaucoup de business, toi. Oui. C'est vrai, hein? Je vous le montrerai demain. Ah, mais le chargeur plein, plein, plein. Ouais, c'est vrai, un chargeur plein, oui. D'ailleurs, t'as récupéré ton arme, là? Ouais, je l'ai. J'ai tout. Si. T'as mis le... Tu l'as mis en or, là? Non, non. En or, c'est... J'ai décidé de le mettre quand je vais tuer quelqu'un, maintenant. Ah, t'as prévu de tuer quelqu'un? Ah, si. J'ai décidé. Non, mais je veux dire, c'est dans ma tête. C'est quand, en mode normal, je laisse en mode normal. Viens, on va tuer quelqu'un, si tu veux. Non, 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 non. Pourquoi? Tu veux le mettre en or, là? Et non. Bon, c'est pas tout. On prévoit ça, tout ça pour demain? Si, et pense à ce que je t'ai demandé. Oui, je t'ai envoyé une photo. Oui, pour la photo, j'oublie pas cette mission. Si. Ce mec-là, c'est une grosse balance. Il travaillait au casino, il travaillait un peu aussi à l'Atlantide. Apparemment, c'est une balance. On veut savoir c'est qui, ce merde. On va éliminer les balances. Voilà. Tu en as éliminé pas mal, alors. Hein. J'espère qu'il resterait encore du monde dans la ville après. Bon. Bon, patron, Fivio, je vais devoir vous laisser. Si, aucun problème. Madame, mes respects. Demain, il va se taper une putain de soirée, cet enfoiré. Hein. Hey, hey, hey. Omar, Chandel. Allez, je vous laisse. Et à demain. Les buenas tardes. Buenas tardes. Ouais, je vais dormir avec les cheveux, mon pote. Voilà. Pas ce soir. Les gars, je vous remercie pour ce live. Je ne vous en veux pas pour les gens qui me traitent de traite, c'est tout à fait normal, je me mets à votre place. Après, voilà, vous savez pas ce qui va se passer par la suite. Et ça sera ça sera la surprise. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Traite, peut-être pas traître. Vous verrez ça dans quelques jours. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je vous embrasse fort. Bonne nuit à vous. Reposez-vous bien. Et on se dit à demain. Sur ce, les reyes, Yarbern, comme ça la force, comme. Prenez soin de vous. Non, 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 attendez, attendez. Oh non. Je laisse entre les mains de JP. Allez, les reyes, je vous laisse entre les mains de JP. Allez l'encourager et je vous embrasse fort. Bouss, bouss.